Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Bon les gars, ouais, je sais, j'ai vu tout à l'heure, vous me parliez de la deuxième partie de soirée. On a d'autres invités. Et je sais pas s'ils m'entendent, je vais les faire rentrer. Je pense que c'est le moment. Il est 22h18. J'ai demandé à Evic de venir me rejoindre. Je pense que j'ai pas trop besoin de le présenter, ce jeune homme. Comment va-t-il? Ça va, quoi, mon gars? Et toi? Depuis la semaine dernière. Comme toujours, bah oui, on s'est bien passé, y a pas longtemps du tout. Ça fait plaisir, ça va, tu vas bien? Bah ouais, première fois ici, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est la première fois que tu viens ici. Ouais, je cherchais mon gaming, ça fait plaisir. T'as l'habitude un peu de ce genre de... J'avais déjà fait Zen, qui se tourne aussi... Ah mince, Mais non, on est chez moi là. Oui. Ouais. Ah, non, je vais dire chez toi. On est dans mon garage. Je reconnais un peu les studios. Et donc, ouais, bah, un grand plaisir, merci. Je suis là pour la partie de l'émission. T'as suivi? T'es envie de venir à Arrest vendredi, mais bon. Bah, tu connais déjà un petit peu. Ouais, bah, après, quand je t'appelle, tu réponds pas. Comment c'est pas vrai? Attention, j'ai ma soeur qui est là. Parce que celle qui s'occupe. Bah, elle m'a bloqué. Arrête de mentir. Allez, vas-y. On va appeler Brox aussi. On a Brox qui est là aussi ce soir. Brox, si jamais tu veux venir nous rejoindre, si tu nous entends. Alors, ce mignon garçon. Je balance, il est arrivé il y a 3 minutes. Il est arrivé il y a 3 minutes. T'es une balance. J'ai entièrement balancé. Ça va encore entièrement balancé. Ouais, t'es une foucave. Ouais, mais il est efficace. Il est efficace. En vrai, t'as l'heure. Même pas cramé, rien. C'est mais ça. Du coup, t'as pas vu la première partie, on pourra pas parler de la première partie ensemble. Mais bien sûr. Je lui ai résumé. Ah, genre, t'avais un résumé, t'as carrément. Ça fait plaisir aussi de t'avoir. On va parler aussi un peu de ton actualité. C'est super cool ce qui t'arrive en ce moment avec l'équipe. Ça fait plaisir. Et on va aussi accueillir Henri Tran. Ça fait plaisir parce que lui, il connaît un peu plus le MMA que vous. Ah, tu sais pas, moi, je connais. Je pense que je dis vrai. On verra tout à l'heure. Comment tu vas? Tout va bien. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Bon, parle-nous un peu de ton actualité, beau gosse. Bah écoute, là je défends la ceinture. J'ai repris juste les termes que j'ai entendus dans la première partie. J'ai entendu en des mots, event, je les utilise comme ça, je les place un peu. Non, écoute, je suis jaloux. En ce moment, je charbonne beaucoup sur l'écriture d'un film. Là, ouais. Je t'en ai parlé. Ben, c'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que je voulais que t'en parles. Je l'autre jour quand on s'est croisés, donc voilà, à fond, beaucoup dans l'ombre du coup. Ouais, parce que bah, ça se travaille avec mes deux co-auteurs que sont donc Frédéric Dadieu et Vincent Tirel. Et en vrai, on se tape des bars, mais c'est un taf, un nouveau taf. Donc ça prend du temps, mais le projet en tout cas s'annonce bien et j'espère que tu en feras partie, comme je t'avais parlé. Et voilà, c'est le contrat est signé. C'est fait, il peut plus dire non. Et dans la scène, je le tabasse. Bah, te balance pas tout. Ok. Merde. Mais sinon aussi, je suis jaloux parce que tu vas faire de la F4 là. Exactement, là. Je vais... Tu vénères. Et ben, Squeezie, si tu nous regardes, si jamais le message arrive. Tu veux savoir un truc qui est fou? Ils sont partis en session d'entraînement là, s'entraîner ce week-end. Mais je sais parce que moi je traîne un petit. J'ai pas du tout été invité. En gros, c'est parce que le circuit. Non, mais je sais, j'ai toutes les infos. Bah, du coup, je dis rien, je parle pas. Non, mais je parle pas. J'ai pas le droit de parler. T'es vu, ouais, du coup. C'est trop dur, en fait. Non, en fait, c'est parce que j'ai pas assez d'expérience selon eux. Alors qu'en vrai, dans les meilleures. C'est ce que je te dis, en fait. Dans les premières sessions, j'ai eu la meilleure progression des débutants. Ouais, mais première progression, ça veut pas dire que t'es bon. Je suis monté à 75 km/h. En troisième, ok. Non. Mais j'ai fait une pointe à 200. Je suis super jaloux, Squeezie. Si jamais tu captes un peu ces images-là, sur la prochaine, il faudra m'inviter. Non, mais là, pour toi, il faut qu'il fasse une course en monster truck. Là, Esteban m'a dit que je rentrais peut-être pas dans le. Mais c'est sûr. Moi, je suis à ça déjà. C'est sûr que non. Bon, bah, c'est mort, désolé, Squeezie. oublie. Non, et ils ont fait une session avec juste les gens qui étaient un peu plus expérimentés. C'est du coup, ça les entraîne plus, en fait. Favoritisme. Bah, c'est comme quand tu viens en boîte et non, t'es pas habitué. Exactement. On sent que t'as connu ça. Il a tout de suite le premier exemple. On sent l'habitude. Ouais, c'est relou, ça. Non, mais bon, oui, il y a ça. Bon, c'est, bah, du coup, je m'entraîne sur les simulateurs. C'est pas très aussi bien qu'en vrai. Tu t'entraînes quand même. Un petit peu, et là, avec. C'est quoi la date? C'est le 9 septembre au circuit Bugatti, donc du Mans.
Bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Sinon, tout va bien. Bah écoute, tout va bien. La pizzeria, non, la marque de pizza va bien. On en ressort deux nouvelles normalement bientôt, mais j'annoncerai ça plus précisément. Et j'ai jamais été livré d'une pizza, par contre. Hein. Parce qu'on les livre si pas, déplace-toi. Ouais, c'est vrai, il faut que j'aille l'acheter. Et non, mais par contre, on rentre dans tous les supermarchés. Là, on a Leclerc, Auchan, Carrefour, Super U. Et là, on va être partout bientôt. Donc voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui ont acheté. On a dépassé les 3 millions de ventes. Donc c'est incroyable. C'est stylé. On ne s'attendait pas du tout donc à ça. Partout, donc t'es partout. T'es dans le cinéma, t'es dans le machin. Peut-être qu'un jour, je serai comme Prime, la marque de Logan Paul qui sponsorise l'UFC et qu'il y aura un prix de la MAM dans le corner. Barry White, dans le White. Arrête, espèce de... Ah, ben moi, avec plaisir. Ah, à part si Arrête ne t'intéresse pas. Bah, je suis pas invité, on m'appelle pas, Julien, même pas répondu. Il y a écrit relou 2 sur son numéro. Arrête de mentir. Il a abusé. Mais non, mais j'ai pas réfléchi à ça, mais pourquoi pas. Bah, c'est à toi de voir. Bah, écoute, si ça peut en plus faire des meilleurs prix pour les Baki, en plus c'est vendredi. Hein. Moi, j'ai suivi, c'est pour ça. Ouais. Je sais sur qui je vais miser. Bon, on pourra en parler si tu veux, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, on est ensemble. Brooky, ouais. Mon boug, donc ça te dit quoi? Explique-nous un peu ce que tu as monté avec les gars, là, ton team. Petite équipe e-sport. À date de combien de temps? Là, elle a quoi? Elle a 2 mois et quelques. C'est tout? Ouais, c'est tout jeune. Deux mois et quelques. Vous avez déjà des perfs? Gentlemate, on a commencé sur les chapeaux de roue. Hein. On a commencé premier titre sous le nom SBG. On était underground parce qu'on n'avait rien préparé. Mm-hmm. Okay. Ah. Et en fait, la ligue devait se lancer directement et nous, on était pris de court. On nous a proposé une équipe avec des noms que moi, je connaissais. Okay. Du coup, j'ai dit à Gotay et Squeezie, ils m'ont dit « Ouais, c'est bien. » J'ai dit « Ah, franchement... C'est minimum troisième, hein, parce qu'ils ont vraiment un potentiel incroyable. Mais sauf que ça faisait qu'une semaine qu'ils avaient joué ensemble, alors que les autres, l'équipe favorite qui était mandatory, ça faisait plus d'un an. Il y en a d'autres, ça faisait au moins 3 mois qu'ils s'étaient entraînés, etc. Du coup, c'était un challenge. On s'est lancé en scret, SBG. On s'est dit, putain, mais ils vont jamais cramer. Squeezie, Bros, Gotaya. Ah oui. Personne va cramer. Débile. J'ai pas du tout fait rapprocher. Ouais, ok. SBG. Enfin, ouais. Ça aurait dû fonctionner. Ça aurait dû fonctionner. SBG, c'est autre chose. Là, c'est le club de McGregor, du coup. Ah ouais, ah ouais. Parce que nous, vous avez dit ou pas qu'ils connaissaient le MMA? C'est vous, tu sais réunir les mondes qui se mélangent. C'est fou ça. Sinon, une marque de bière aussi en Irlande. C'est moi qui aurais pu avoir la ref. C'est moi. Et en même temps, SBG, on s'est dit en plus, on était bien cachés. En pire, ils vont cramer Kyo Gota parce qu'il a une société qui s'appelle Stardust by Gotaga. Okay. Du coup, on s'est dit, on va se faire cramer. Et il y a un mec, il a tout leak. Un journaliste e-sport. Ok. Il nous a détruit. Mais du coup, quand vous étiez en compète là, c'était des compètes. C'est championnat français. C'était pas la deuxième compète que vous faisiez? Non, en fait, le championnat, il se fait en deux parties. Il y a une première partie où tu as la première partie de championnat où tu les affrontes chaque équipe aller-retour, ensuite play-off. Le gagnant des play-offs prend un certain nombre de points. Okay. Et après, il y a la deuxième partie où là, c'est la partie la plus importante. Et pour pouvoir. En fait, la première partie, c'est un peu pour se roder, etc. Ouais. En fait, tu remontes ton équipe pour la deuxième, seconde partie. Et là, c'est vraiment, tu gagnes, par exemple, le premier, pour te donner un ordre d'idée, quand tu gagnes les play-offs. Sur la première saison, tu gagnes 60 points et la deuxième, 110 points. Pour te qualifier dans le grand tournoi qui peut nous ramener avec Carmine, Vitality, etc. D'accord. Ok. Donc, on l'a gagné la première saison. C'était une folie. Sauf qu'on était dégoûté parce qu'on était encore underground. On ne pouvait pas tweeter, faire des lives, etc. Donc on était vénère, tu vois. Ouais. Et finalement, on a fait l'annonce. Et après, bah là, on était les hommes, l'équipe à abattre parce qu'on avait fini premier. Il y avait un peu la lumière sur nos joueurs. Le roster de SBG est le même que Gentlemate à l'annonce après. Exactement. Okay. C'est le même roster avec les mêmes joueurs, avec le coach aussi, qui est une légende de Counter-Strike, qui est pour beaucoup. Et franchement, ça a bien marché. On a été en finale encore à la contre-mandatory, encore une fois, l'équipe de Zerator, et on a gagné 3-2. C'était un match... risqué ce qu'on a fait. Ouais, je suis parti dans un bar avec les frérots. J'ai vu toutes les stories. On était genre 86 alors que le bar il pouvait accueillir. Ça, c'était quand ça? C'était la semaine dernière. La semaine dernière. On était 86 dans le bar alors que le bar il pouvait accueillir 60 personnes. Trop stylé. C'était la folie, hein, j'ai vu ça. Ah, c'est ça. Alors 1-0, on était refait. 2-0, refait. Je peux te dire que tu vois nos visages à 2-2. À 2-2, on était pas bien. Moi, j'étais pas bien. Je suis sorti, les gens ils me touchaient. Tu sais, je marchais dans le couloir. Et, à 2-0, tu sors comme une star. Tu tapes dans les mains tout le monde. Genre, tu vas en train de se faire. 2-1, t'es en mode bon, ça va. À 2-2, ça me touchait.
Regard vide. Et on disait, t'inquiète, ils vont le faire, laisse-moi. Mais tu dois être fou. Et là, quand toi, vous êtes dans le bar, les joueurs sont où? Eux, ils sont dans les locaux de Gotha, à AG Corp, tous en bootcamp, en train de jouer. On avait une réaction sur les joueurs, etc., avec le coach. Et, c'est votre écurie, là. C'est trop stylé. C'est trop plaisir. C'est trop stylé. Et là, quand ils sont. Vous exultez, vous êtes trop contents. Eux, ils sont là, dans une pièce, il fait froid, c'est vide. C'est tout calme. Et il se passe des trucs. Mais pour avoir des insights, notre capitaine, il n'était pas bien. Tu vois, ça commençait un peu. Pas à avoir des tensions, mais voilà. Il y a un peu de doute, il y a notre directeur sportif qui leur a parlé. Et vous étiez là, vous étiez en communication avec eux? C'était la première fois qu'on commentait un match de nos joueurs, exactement. C'est la première fois qu'on commentait un match de nos joueurs et qu'on ne les voyait pas, quoi. Ah ouais, ok. Et tous sont français? Ils sont tous français. On a la particularité d'avoir une équipe 100% française. 100% français. Parce que dans la ligue, il y a des joueurs qui sont anglais, etc. Ils sont avec des Français. Mais non, ils sont tous français. Et franchement, magnifique, bravo, mon incroyable. Je vais vouloir enchaîner après. Cool. Juste, moi, j'ai une question. Les compétitions comme ça, elles sont officielles? Genre, il y a une ligue spéciale ou c'est un peu des particuliers qui créent des compétitions? Ouais, comme un peu. C'est la ligue. C'est une ligue officielle avec le qui est mis en place par le l'éditeur de jeu, c'est Riot. C'est lui qui a Eux sont vraiment e-sport à fond, quoi. C'est eux qui le créent, d'accord. C'est un des rares éditeurs qui est vraiment porté que sur l'e-sport, tu vois. C'est vraiment ce qu'ils veulent mettre en avant, les athlètes. Là, on s'est qualifié justement pour le tournoi qui est un peu, on va dire, et le but, le meilleur de France. J'ai entendu, c'est l'Euro, je sais pas comment t'appelles. C'est ça, c'est un peu comme. C'est comme si on était champion de Ligue 1 et on devait affronter le champion de de Liga, le champion de Champions League. Exactement. Ouais, et en fait, le gagnant, il n'y a que le gagnant qui va avoir une place dans la Super League, qui est avec Carmine, Vitality, avec cette team-là, avec le top des teams, quoi. Ah, en si peu de temps, merci beaucoup. Ça commence dès la semaine prochaine. Ça va être dur. En plus, on est tombé dans une poule où il y a tous les favoris. Ça commence la semaine prochaine. Ouais, Il y a tous les favoris dans notre poule. Ça va être très très dur. Mais les joueurs sont prêts. Hein. Tu leur parles, de toute façon, ils sont mentalement focus. Eux, ils sont tout le temps. Même quand nous, on est en mode, ça va être chaud là. T'inquiète, frérot. On va les éteindre. Ah ouais, mentalement, ils sont déter. Ouais, ils sont déter. C'est ce qu'il faut. Et en plus, on a une équipe de revanchard. Il y en a un qui a été viré. Oui, c'est ça. Il y en a deux qui ont été virés. C'est ça. Il y en a un qui est Whalers. C'est un petit jeune que nous, on a recruté à l'époque. On était pro avec Gotha sur Call of Duty. Du coup, qui a fait la transition pour joueur pro Call of Duty, manette. Sur PC, un autre jeu qui n'a rien à voir. Sur un autre jeu. J'avais souris. Ok. Donc, sur Valorant, ouais. Du coup, il y a des gens qui avaient. Les joueurs Valorant de la scène, ils n'étaient pas trop en mode, on ne veut pas trop lui faire confiance parce que t'es là, pas d'expérience. C'est incroyable. Il y en a un autre. C'est comme ça. Ça doit être incroyable, c'est ça, c'est incroyable. Donc, c'est vous qui avez fait les recrutements, c'est vous qui avez fait. Justement, pour ce roster-là, ça nous a été proposé parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'équipe. Vous avez un peu créé une équipe comme ça. En fait, moi, on est toujours. Mais tu comptes dedans, bien sûr, c'est ça. Alors, c'est un petit. C'est quand même un petit frère, tu vois. Et du coup, il est toujours avec nous et il me dit ouais, j'ai un joueur Beyaz, je peux récupérer lui. Et à un moment donné, il faudra virer des joueurs pour recruter un autre. C'est la nature du sport, tu vois. Il essaie de se placer, mais jouer avec le pro, c'est n'importe quoi. Il mérite vraiment pas. Il y a une pause dans le jeu. J'ai tellement pas le niveau, frère. Vraie question, moi, c'est quand tu t'inscris, quand vous inscrivez SBG en compète, ça, c'est tout le monde qui peut s'inscrire? Dans cette compétition, c'est nous on est dans, par exemple, la Super League, tu peux pas descendre quand t'as ton spot, c'est comme en NBA, c'est une ligue fermée. Ouais. Et là, c'est sympa parce que, enfin, c'est sympa, c'est incroyable parce qu'ils ont fait un système où là pour l'instant ils l'ouvrent et à un moment ils vont la lock, tu vois. Donc il y aura encore deux saisons par exemple de valider où deux équipes vont pouvoir monter. Mais là, dans la nôtre, c'est comme la Ligue 1, les deux derniers jouent les up and down, on l'appelle, c'est-à-dire qu'il y a un circuit ouvert, ça s'appelle les OTF. Où des équipes amateurs se jouent les uns les autres. Et celles qui ont le plus de points à la fin affrontent les derniers de notre ligue. Et, c'est comme ça que vous êtes qualifié ? Ils peuvent prendre leur place. Non, nous, on a juste pris un spot. En fait, on avait nos joueurs qui avaient déjà un spot dans la ligue. Et du coup, ils avaient juste besoin. Tu as juste besoin d'être représenté par une équipe. Si tu as le spot, mais tu n'as pas d'équipe, tu peux pas jouer. Ok, ça fait plaisir. Mais c'était vraiment des émotions. Mais c'est horrible, parce que moi, quand j'étais joueur, j'avais pas la pression quand j'étais en match.
Ah ouais? Mais maintenant que. Bah ouais, parce que en fait, j'avais mon destin entre mes mains, tu vois, en quelque sorte. Et là, je les vois, tu les envoies à la guerre, t'es en mode. C'est un peu ton bâton. Ouais, exactement. Ils sont en train de toucher mes enfants là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il leur rend le T-Bug. Mais c'est un malade. Tu vois, je suis comme un fou. Et du coup, t'as l'impression. Ça fait un peu comme quand j'accompagne un peu des gars à l'UFC, t'es là, en fait. Tu peux rien faire. T'es un peu impuissant, tu vois. Ouais, t'es impuissant et c'est. En fait, t'es en mode. Tu vois ton enfant faire ses premiers matchs de foot, t'es en mode. Voilà, il l'a taclé là, mais t'es un malade. Tu rentres sur le terrain et tout. Ouais. En parlant de MMA, on va passer à Henri. Henri, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, je voudrais que tu parles un peu de ton palmarès, de tes ceintures taekwondo, parce que même moi, en vrai de vrai, comme je t'ai vu, j'ai un peu d'arrivée dans les arts martiaux, et je ne connais pas très bien le taekwondo. Bah, écoute, moi, actuellement, toujours les vidéos sur YouTube et Twitch, etc. Et justement, à côté, j'ai toujours... Donc avant, t'étais beaucoup dans le manga, les choses comme ça. C'est ça. J'ai toujours été dans le manga. Et là, toujours, ou bien tu... Toujours. Le dernier scan de One Piece, ton banger. Ouais, je suis super content de les suivre. Mais du coup, écoute, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, parcours d'études normal. Ouais. À côté de ça, YouTuber et plus récemment streamer. Mais à côté de ça, j'ai toujours voulu faire un sport de combat. Alors pas pour être le plus fort ou quoi. Moi de base c'était parce que je faisais du breakdance. Okay. Et en fait je voulais apprendre. J'ai vu Chris Brown faire un coup de pied super stylé un jour dans un clip. Les mecs du breakdance ont beaucoup d'aptitudes physiques. Ouais c'est ça. L'agilité et tout ça. Et je sais qu'il dans un clip il a lâché un 720. On appelle ça en taekwondo. Tu sais, tu tombes trois fois sur toi et tu mets un retourné. Et du coup je me suis dit j'aimerais apprendre ça et je vais choisir un sport qui me permettrait de faire ça. Parallèlement je jouais à Tekken, gros gamer. Et je jouais Orang, le taekwondoïste, là. Et je me suis dit, je vais tester ça. Je suis tombé, à 16 ans dans le taekwondo. Donc, je fais tous mes grades, ceinture blanche, tatatata, jusqu'à la ceinture noire. Et pour le coup, j'étais surtout dans un club qui était technique, dans le sens où on apprenait à faire des pumse, donc c'est l'équivalent des katas en karaté, ouais, judo, etc. En fait, tu tapes le vent, et à la fin, tu lâches un bon petit kiaï. J'ai capté. Et en gros, j'ai ma ceinture noire en 2020, et là, paf, confinement, etc. Donc, plus de sport de combat possible. Ouais. Et arrive un moment où c'est le moment où tu dois faire ta reprise une fois que le Covid est passé. Et puis, pendant le Covid, seule ligue, seul sport qui a pu assurer des événements. Fight Thailand, c'est UFC. Ça, l'UFC, exactement. Donc on parlait que de l'UFC pendant, pendant le Covid. NBA, football, ce que tu veux. Tout s'est arrêté, Ils avaient réussi à faire le Fight Thailand à Abu Dhabi. Il n'y a pas de spectateurs. Ah ouais, Ça arrivait bien après, ça, je crois. Oui, pas Covid, c'était vraiment pour... Ouais. Covid, nous, ils ont... Ah, c'est la patate que j'ai mise. Ah, vous avez retrouvé ça? Est-ce qu'on peut la remettre? J'ai vraiment pas bien vu. Il est violent en fait, c'est ça? Non, mais en fait, c'est surtout que t'as pas le droit de mettre une patate dans la gueule des gens. Tu sais, c'est que les pieds normalement. Moi, je suis en rouge, je crois. Ouais. Et là, je mets une patate sans faire exprès. Et tu vois tout de suite, je regrette. Frérot, je suis désolé. En même temps, c'est tentant. Oui, c'est ça. En fait, le contexte, alors ce combat-là, je l'ai perdu d'ailleurs au point. Mais c'est juste, en fait, il me frustrait parce qu'il était. Il avait de la longe, je crois. Et en fait, au moment, j'arrivais tellement pas à marquer que genre, je voulais le toucher, tu vois. C'est vraiment genre l'adrénaline de bagarreur, tu vois. Mais du coup, donc arrive le moment où je dois faire ma reprise de taekwondo et je me pose la question. Tu sais, très souvent en taekwondo, on dit que la ceinture noire, c'est le début du chemin. Ça veut dire que c'est pas parce que t'es ceinture noire que c'est bon, t'es le maître, etc. Ouais. D'ailleurs, la ceinture noire, il y en a. T'as la ceinture noire et ceinture noire, tu vois. Okay. C'est très disparate. Un peu comme JGB aussi. C'est ça, exactement. Et moi, en fait, je me suis dit, écoute, tu viens d'un club où t'as principalement fait que de la technique. T'as jamais vraiment fait trop de combats. J'ai envie de progresser. Donc, mon chemin, plutôt que de faire des katas ou de l'esthétique, etc., je veux progresser en combat. Et plutôt que de progresser en combat taekwondo, je me suis dit, autant être le plus complet possible. C'est là où j'ai commencé à me dire que j'aimerais faire du MMA. Et là, maintenant, ça fait un an et demi du coup, que je m'entraîne. Et j'ai mon premier interclub le mois prochain. C'est bien pour commencer déjà. J'ai mon premier interclub le 8 juillet. Et ça s'entraîne quasi tous les jours. Tout entraîne où? Qu'est-ce qu'on appelle un interclub? C'est genre en mode un club voisin dans la ville ou dans la ville d'à côté. Ça, on va se taper dans une cage. Et ça va faire un mini tournoi en fait. C'est une descente quoi. Non, c'est comme une compétition amateur, on va dire. Une compétition amateur. Exactement, compétition amateur. T'as envie, t'as pas envie, t'es licencié, t'as envie de te. Mais il y a des combats officiels entre guillemets ou c'est juste du touche-touche? Je sais pas si c'est. Ça, c'est plus réglementé maintenant avec la FF. Alors c'est la FFMMAF, en gros la Fédération Française de MMA quoi.
qui pour le coup autorise les casques au niveau amateur. Okay. Donc c'est, ils protègent un peu les amateurs, ils essayent de créer vraiment le circuit amateur vers le pro. Histoire d'avoir une c'est une ça, là adaptation. Où toi quand Cyril t'as commencé, j'ai l'impression que c'était direct dans le grand bain quoi. Moi oui pour le coup, ça a été direct, en Muay Thai j'ai fait un combat en classe C, c'est là où t'as un protège tibia un peu, tu vois, et t'as un casque aussi, et coudière. Et ensuite, tout de suite, je suis passé à enlever les protections et tout. C'est vrai que ça fait bizarre. Gab, on peut l'envoyer. Oui, c'est ça. Ils ont vu ton gars, ils ont dit c'est bon, on peut l'envoyer. Mais t'as un ouf, ça veut rien dire. Ils sont plus courts que moi, ça veut rien dire. Mais MMA aussi, pareil, dès que je commençais, comme j'expliquais tout à l'heure, non, c'était pas avec vous, j'ai commencé directement dans le grand bain aussi. Tu vois. Sûr, sur la TKO ouais. J'ai tout écouté. C'est vrai que t'étais là. donc là, Interclub. Interclub. Donc là, ça fait un an et demi que tu t'entraînes au MMA. Ça, comment ? Ça fait un an et demi que tu as commencé. Ça fait un an et demi là. Donc toutes les transitions. Vraiment. Déjà, l'anglaise, c'était totalement hors de ce que je connaissais. Ça va, hein. Tu mettais déjà des patates. Oui. Mais l'anglaise, c'est pas le taekwondo, c'est que les jambes, tu vois. Ah, c'est comme c'est de l'esprit, hein, la touche, magnifique. Tu vois. Donc l'anglaise, ça a été quelque chose. Le sol, la lutte. Donc tout ça, c'est encore beaucoup de boulot. Et du coup, c'est pas avec quelqu'un de la Hatch Academy. T'es à la Hatch Academy ? Non, moi, je suis au Maccabi. Ok, donc, Maccabi. Sous le coaching de Greg MMA. Ok, magnifique. Et du coup, on va s'atteler avec quelques gens de la Hatch et on va voir ce que ça va donner. Ok, Interclub avec la Hatch. C'est ça. Ok. C'est bon, où c'est cool, le Maccabi ? Le Maccabi, c'est dans Maccabi. Le 10e arrondissement, vers République. Et l'autre club, c'est ? C'est Aubervilliers, non ? Franchement, je suis même pas sûr, je suis jamais allé. Ouais, il y a Aubervilliers et Pantin, je crois. C'est il y a deux pôles. Ouais. Bon, c'est bien, et bientôt à Rennes, du coup. C'est bien dur. Bientôt à Rennes. Il y a beaucoup de mecs là qui viennent du taekwondo ou pas ? Il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas franchement, beaucoup. Franchement, il n'y en a pas y beaucoup. Font, beaucoup à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Yair. Escalade. Les meilleurs viennent de l'escalade. Ah ouais. Le champion en intérim des Featherweight, là. Qui ah, frérot, tu vas me parler de trucs que je ne connais pas. Je te le dis tout de suite. Tu es bien plus expérimenté que moi. Yair Rodriguez qui va combattre contre Volkanovski. Normalement, il vient du taekwondo. Ah, ok, ok. Rose Namajunas aussi, je crois. Mais on se compte sur les doigts du coup. Ok. Et puis, ça fait longtemps aussi, peut-être, qu'ils ont fait leur conversion. Oui, largement. Mais en fait, c'est que plus tu avances, plus tu te rends compte que y a déjà ne serait-ce attends, que mais d'ailleurs je te dis des bêtises. Tu l'as coupé pour rien dire. Je connais ouais, imagine. Il l'a coupé pour faire. Attends. Et après, il réfléchit. Il y a un problème avec la douleur là. Le mec a une trouble de l'attention. La douleur, elle a bougé là. C'est pas fermé chez moi. Mais... ah, c'est pas pour ça. Mince, mon chat est dehors, il y avait sa bouffe et tout. Merde. Non, pardon. Véronica Macedo. Tu connais Véronica Macedo ? Non, j'ai pas. Ah, tu connais pas ? Il me semble qu'elle vient du taekwondo aussi. Elle t'envoie des coups de pied aussi. Je crois qu'elle vient du taekwondo. Bref, c'était une petite parenthèse. Mais oui, enfin, en fait, il y a tous les sports, il faut les adapter au MMA, comme la lutte, le JJB. Ouais. On t'apprend par exemple au JJB à pas rester sur le dos, parce que il faut faire attention. Ouais, faut pas et pareil, et le taekwondo, je trouve, c'est l'un des sports où combien même tu l'adaptes, c'est difficilement adaptable. Non, mais bon, tu sais lever les jambes, ça c'est une belle chose. Ouais. Tu sais faire des retournées, tu sais. C'est une bonne école pour les pieds. Mais attention, il y a beaucoup de mecs qui viennent du taekwondo, ceux qui arrivent à imposer leur art. Il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle. Je sais qu'on l'a révisé, on l'a étudié ce mec-là, parce que c'était très impressionnant comment il arrivait à l'adapter dans le MMA. Mais toi, je me rappelle, il y avait un des combats où justement on te donnait des noms en coréen. C'est des noms de taekwondo ce qu'on t'a appris. C'était peut-être cette préparation de combat-là. C'était contre Francis, je crois. Je crois que c'était contre Francis. J'avais écouté Fernand qui en parlait du Chagui, Mondolio. Mondolio, Chagui, se le retourner à la tête, etc. etc. Donc, t'as vu, je connais un peu Taekwondo. T'es là, hein. Chagui, Mondolio, Chagui, je sais pas quoi. Et c'était pas trop dur à retenir les prénoms, les noms, si. Non, c'était cool parce que moi j'aime bien utiliser les jambes. Mais comme je dis, les mecs qui viennent du taekwondo et de la BF, franchement c'est magnifique. Savoir utiliser les jambes, ça peut être extrêmement dangereux. Et c'est quoi le plus dur pour toi qui viens du taekwondo maintenant Attends, excuse-moi, je te coupe encore, mais.
Et il regarde par là-bas. Non, c'est pas Michael Page. Michael Page, il vient pas. Il y en a un autre qui est. Qui est Do. Regarde les potes. Fais des interventions. Des interventions. Moyen. Il y a un fils mais qui est dans la même organisation que Michael Page, ou je sais plus, il a changé. Un Tismé qui était incroyablement fort. D'accord. Avec ses jambes, je crois que c'était du taekwondo. Malheureusement, j'ai pas son blaze parce qu'il a pas vraiment ses pairs, mais il était extrêmement dangereux. Mais un jour, je le retrouverai, les gars. Voilà, c'est pour dire ça, quoi. Non, mais peut-être qu'il aurait pu voir de qui je parle. Moi, j'avais une question. Qu'est-ce que c'est, du coup, ton plus gros, comment dire, ta plus grosse faiblesse dans le taekwondo quand tu viens dans les MMA? Est-ce que c'est la soumission ou c'est les trucs, tu vois, est-ce que c'est... Je pense que c'est plutôt le côté bagarre, plutôt, non? Ouais, plutôt côté bagarre, violence, normalement. Ouais. Le... Parce que c'est comme de l'escrime, encore une fois, c'est genre quand tu touches, c'est vraiment, tu claques le plastron et ouais, ça, et y va, mais t'es pas là dans l'intention de mettre KO la personne ou, okay, le, ou lui défoncer. T'envoies une jambe, taekwondo, t'envoies une jambe pour. Quand, en Muay Thai, quand on voit une jambe, ouais, c'est pour traverser c'est bon, le corps. Voilà, en fait, ça, c'est pour déjà, il y a une différence qui est flagrante, c'est qu'au taekwondo, on frappe avec le dos, ouais, du pied. Le plat du pied, ouais. Là où, genre, en MMA, et, si en MMA ça, c'est le tibia. C'est tibia, et le but, c'est vraiment donner un coup de hache, limite, ouais, sur la cuisse de la personne. Tu vois. Ça, c'est ça. Et ça, c'est, l'agressivité, ça a été quelque chose qu'il a fallu gérer. Et à côté de ça, moi j'ai vraiment le profil, je suis pas comme la nouvelle école des combattants MMA, je suis vraiment comme l'ancienne école entre guillemets, où genre je viens d'un sport et je dois m'adapter, je suis moins complet que beaucoup de gens, quoi. Ouais. Donc j'ai un profil de striker et la lutte ça me pète les couilles, quoi. Faut l'adapter, ça faut l'adapter. Vu que toi de base tu fais juste tu touches comme ça là bien et, serré et, mec, tout, machin. Et c'est là que j'aimerais trop avoir le physique de Cyril et mec. Pourquoi? En fait ce qui me en fait tu vois le taekwondo on t'apprend à jouer de loin à ouais, donner tes jambes et tout mais ouais, regarde moi frère je suis coup sur pattes de ouf. Ah, t'as et les ça jambes me fait trop chier. J'adore. Moi, en fait, là, je vais dire un truc, les gens, ils vont pas comprendre dans le chat. J'adore taper des nains. Genre, les mecs qui sont plus petits que moi, j'adore parce que c'est trop bien de gérer. Est-ce qu'on peut faire un hors contexte, s'il vous plaît? De ouf. On peut reprendre ça hors contexte. Et après, on met un plan, on le regarde comme ça. Ouais, vas-y, bouge pas. Voilà, faites le montage et mettez sur Twitter, merci. Moi j'aimerais trop, ne serait-ce que d'avoir quelques centimètres en plus parce que ça me permet. Tu fais des vidéos sur ça? Tu fais des vidéos sur le MMA, sur les choses comme ça? Alors j'ai fait une vidéo de Julga où je parle du sport, où vraiment j'explique aux gens c'est quoi le sport. Ok. J'ai fait un sparring à thème avec mon coach là, Greg. Ouais. Et après, je crois que j'en ai plus fait. Sur Instagram, je partage beaucoup mes entraînements. Mais là, à côté, j'ai fait un sparring avec Thibaut InShape en boxe anglaise. Ah, c'est vrai qu'il veut faire de la boxe anglaise. Mais du coup, le mois dernier, j'ai fait un sparring avec lui en boxe anglaise et un round de MMA. Alors, en boxe anglaise, il est comment? Alors, en boxe anglaise, c'est propre. C'est propre, franchement. Pour ouais, j'ai vu son évolution vite fait, depuis un petit. Ouais, parce que quand tu regardes la marge de progression, ses débuts jusqu'à maintenant, c'est très propre. Là, pour le coup, moi, j'ai vraiment joué. Il est un peu plus petit que moi. Donc, j'ai plus joué la distance, moi. Donc, c'est là que tu as bien tapé les nains. C'est ça. Mais. Alors Thibaut, tu n'es pas un nain. Je tiens à rectifier. J'ai compris. C'est un moyen. Voilà. On va une petite crotte de nez. Et t'es déjà venu sur RF? Il faut que je vienne un soir, ça me ferait vachement plaisir. Bah vendredi, il y a un événement, en plus c'est sur Paris du coup, ce que j'ai compris. Ouais, malheureusement vendredi j'ai un live, mais j'aurais kiffé, okay. Mais je vais suivre le combat après, ouais, pour regarder. Bon, sur long terme, t'aimerais faire du combat genre type Paris? Pour l'instant, je t'avoue que c'est plus pour... en fait, comme je t'ai dit, de base, je voulais vraiment me dire que je me suis éloigné du taekwondo pour m'apprendre à me battre. Donc là, je tâte un peu les os juste pour me prouver que je suis toujours dans cette démarche de progresser. Après, est-ce que je vais aller vers un circuit amateur plus avancé? Ça, j'en ai strictement aucune idée. Là, pour l'instant, c'est plus un défi personnel que j'ai envie de m'imposer pour me dire « Henri, t'as des yox, quoi. » C'est un peu ça, le truc. C'est stylé. C'est ça que t'as envie de faire, c'est ça que tu m'as parlé la dernière fois, non? Non. j'aurais adoré Granière, le fait que ça puisse aller au bout, quoi. Ouais, c'est dommage. Mais tu vois, j'aurais vraiment kiffé. Pour te dire à quel point c'est pas facile, il a abandonné un peu l'idée là pour le moment. Il a abandonné l'idée. Bah oui, il y a d'autres projets surtout. Puis ça il est trop occupé. Ça prend du temps. Il a un métier. Il y a un film là. Ouais, c'est ça. Ouais, il a un film avec Eric Judor, j'ai vu. Avec Eric Judor et avec Arthur. Putain, Arthur, mon bouc, j'ai oublié ton blaze, qui joue avec nous dans le club FIFA que t'as rejoint là, le club qu'on a. Ouais, mais t'as oublié son blaze, ça me remet pas le faux truc sur moi.
C'est vraiment là, c'est lui là, tu te souviens pas? Bah toi, dis son Arthur. Mais non, dis son nom de Ah merde, j'ai oublié son blase. Arthur, mon bouc, je suis désolé. Et donc, il a des fiches, un écran, un iPad. Bah, rien, on parle de tout et de rien. Il a les antilles sèches, tout le monde. J'ai pas anticipé de parler du film de Ragnar. Il a une oreillette, frère, il a tout. Anyway, ce serait pas le moment de jouer au jeu là? Allez, c'est parti, let's go. Il y a un jeu qui nous attend. Ça va être chaud, tu vois. Ça va être chaud. Ça va amener un peu de piquant à l'émission. Ça va être chaud, vous avez pas compris. Ça va être très chaud. Ah oui, c'est Space Canman. Oui. Ah, il y a des gars. Regarde. Vas-y. Ok. Ouais, apparemment, il va falloir que vous changiez de place. Ok. Pourquoi? Parce que la team, en fait, moi, je suis avec, avec Brooke, c'est ça? Et moi, du coup, je suis avec Eric. On va jouer ensemble. Exact. Oui, jeudi. Là, on est douillet. Pourquoi? Non, mais ça fait toujours une équipe de merde. Non, tu t'es fait douillet. C'est moi la merde. Non. On fait toujours là, mais ça n'a jamais. Squeezie, il dit toujours, quand tu fais un événement avec Gotaga, sois au courant que Gotaga aura toujours la meilleure équipe. Ouais, bah il aime pas perdre, c'est un compétiteur. Moi, on m'a dit, événement Fortnite, je suis avec Cyril. Bon, moi, j'ai jamais joué Fortnite de ma vie. Il a jamais joué. Et c'est ça le thème. C'est un mec qui a un peu joué. Et un mec qui a jamais joué. Inok, Gotaga, Michou. Ah oui, enfin, c'est le mec qui a jamais joué dedans. Qui Hey, moi, j'ai déjà eu le malheur d'être dans une équipe de Gota. Hey, il est sévère. Hein. Hey, il est pas il est patient. Sérieux, mec. Il est sérieux. Il est pas patient, mec. Je me suis fait engueuler en vocal une fois. J'ai fait frère. Calme-toi, on est en train de jouer. J'ai cru que c'était mon daron. C'est un mauvais perdant de zinzin. Le lancement de Call of Duty, ouais. De Call of Duty, On avait une bonne équipe. On avait une bonne équipe. Mais tu sentais qu'il était sérieux, tu vois, quand même. Tu sentais qu'il était sérieux. Ah ouais, ouais. C'est quoi les autres équipes qu'il y aura? Il y a Gotaga, Michou. Après, il y a vraiment. Il y a tout le monde. Il y a un peu, ouais. Il y a vraiment un peu de tout. Et chacun joue de chez soi, en fait, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Mais j'ai trouvé trois équipes où il n'y a aucun novice. Il y a deux équipes, il y a trois équipes. Ah, il y a des fois. Moi, j'ai dit top 3. Du coup, là, on parle beaucoup d'histoire, mais vous, au niveau jeu vidéo, c'est comment? Bah, on notre a... niveau en on jeu vidéo équipe, ouais, mais vos jeux préférés pour... Ah, ouais. Moi, en fait, tu vois, moi, Twitch, à la base, j'ai lancé ça parce que j'ai. Parce que, justement, je donnais pas trop de... Je faisais pas de vidéos YouTube, pas de choses comme ça. Et que du coup, je me suis dit, tiens, je vais donner un peu de quotidien un peu aux fans, tu vois. Parce que je ne suis pas du genre à être en story, tu vois, sur mon téléphone. Salut les gars, ça va, nanana, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Je jouais quasiment à l'époque, Covid, tu vois, Covid, post-Covid. Ça jouait de ouf à la console. Et donc, je me suis dit, allez, je vais lancer ma chaîne Twitch, comme ça, on va partager. Au-delà de ça, je n'ai pas un niveau de ouf, tu vois. J'aime bien jouer à Call of, à FIFA, basta. Ouais, je suis un peu dans le même type de touquet, joueur. Touquet de temps en temps. Touquet, ouais, très touquet. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup aussi, c'est un peu ça aussi le délire. Oui, oui, en vrai, je suis le joueur lambda, je pense, mais qui peut m'envoyer des bonnes sessions de 10 heures non-stop, tu vois. Je pourrais jamais. Voilà, même Gotaga, tu joues. Même, tu vois, en fait, là où tu vois la différence entre un joueur novice. Enfin, je peux me buter, mais même si Gotaga joue contre moi, mentalement, il va être meilleur que moi et du coup, il va quand même réussir à me gagner mon meilleur jeu. Ah ouais, tu sais ce que je veux dire? C'est là que j'ai vu que j'étais vraiment pas. J'étais vraiment pas un show. Là, tu parles quand même d'un mec qui est censé faire une soirée multigaming en fun avec Squeezie et Dwagvi et qui traîne avant. Sur Mario Kart, tu vois ce que je veux dire? Non, il est toujours là, il s'entraîne. Ouais, il veut toujours 20 minutes avant, il se rend bien. Il est. Ouais, le mec, non, mais dans le bon sens du terme. En fait, c'est un compétiteur, quoi. C'est un vrai compétiteur. J'aimerais trop être dans sa tête quand il perd et commencer à. Tu sais qu'il est en compétition dans tout? Genre, on va faire un jeté de papier dans un truc, il va être. Moi, je crois que quand il perd, tu vas dans sa tête, il invente des insultes. 20 euros si. Ah, carrément, carrément. Ouais, ouais, excusez-moi. 20 euros si. Bon, on va voir si vous êtes compétiteur. Vas-y, Guigui, parce que c'est Guigui qui va nous. Allez, Guigui, nous faire jouer, let's go. Ça va, tiens, bien, game. On est parti, bonjour. Et là, c'est parti. J'espère que vous êtes chauds, les gars, et que vous aimez manger. Évidemment. Faudrait pas distribuer des bouteilles d'eau. Même pas. Moi j'en ai une. Une bouteille d'eau pour Evic, s'il vous plaît. Une bouteille d'eau pour Evic parce que là, ça commence à faire une. Voilà. Parce que là, on va aller crescendo. Il y a 8 questions. Il y a 8 questions et on va aller de 3000 sur l'échelle de Scoville à 2 millions. Quoi? À 2 millions.
Alors, 2 millions. C'est qui ce Scoville? 2 millions. 2 millions, 2 millions. 2 millions, c'est le max. Le maximum all-time, c'est qui Scoville? Ah ouais, à Scoville, c'est un seul gars. Parce que c'est un seul gars. Les gars, vous êtes en train de parler une autre langue. Je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez. En fait, l'échelle de Scoville, je crois, c'est l'échelle pour ranker qu'est-ce qui est le plus piquant. Exactement. On commence tranquillement à 3 000. Et on termine à 2 millions. Est-ce que Scoville et Richter ont envoyé les ventes à envoyé la crime, Ils sont dans un bateau. Ils ont plein d'échelles. Ils se connaissent entre eux. Prends ma fiche. Ah putain, j'en ai que 3. C'est pour donne la fiche. Non, c'est pour ventiler Féro. Okay. Ah oui. Ah oui, non, attends, peut-être que je vais retirer mon pull, moi. Oui, retire ton pull. Parce que là, je sens que. D'ailleurs, c'est les couleurs de Gentleman. J'arrive. Ouais, c'est vrai, t'as vu ça? J'ai pensé à ça. C'est vrai. Ça va être le merch. T'as pensé à ça? Pour petit ordre d'idée, pas trop qu'on fasse ça, je crois, pour le Tabasco sur Scoville, il est où? Je sais pas. Il est en régie, c'est pas relou quand on fait les bails. 150. Ouais. 150 000 Vous le faites ce jeu? Première fois, toute première fois. Cool. Les toilettes sont juste là. D'habitude, c'est quoi comme jeu? Il y a des toilettes? Non, d'habitude, c'est tranquille. On parle normal. C'est ça, c'est la play. Juste 150. T'as des 1000 derrière. Non, vous faites quoi comme jeu? Ce jeu-là? D'habitude, vous faites. Non, non, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est la première fois qu'on joue à FIFA, d'habitude. Non, tenez, bon, on va faire dégueuler en live. Ah, ça va être incroyable. Du coup, les gars, important. Donc, ça va être du 2 contre 2. Ok. Cyril, Brooks, Yvick, Henri. Donc, très très simple, chaque fois le duo perdant va devoir s'atteler à goûter la fameuse sauce. Les gars, il y a quand même 8 questions. C'est des questions sur quoi? Donc faut pas perdre. Oh, je vais vous les poser, je vais vous poser. Ça va. La difficulté. J'ai décroché mon téléphone. La difficulté est croissante. Donc les deux premières. Donc forcément les sanctions sont faut être très chaud. Est-ce que c'est des questions sur le combat? Non, franchement. C'est culture G. Et la sauce piquante, on va la manger avec quoi? Sauce piquante, c'est soit des nachos, je crois, soit des croûtes. Ah, moi je les ai déjà mangés, merci. J'ai déjà mangé. Ah, j'ai cru que c'était du poulet, j'aurais trop kiffé. Ben oui, évidemment. Non, ça va être quelque chose de léger. Donc du coup, question 1 et 2, les gars, ça va être rapidité, lever la main pour donner la bonne réponse. Donc faut être le plus rapide possible. Attends, Je laisse lever la main plus rapidement. Mais par contre, ah oui, c'est très important. C'est si vous levez la main et que vous donnez une mauvaise réponse, vous perdez. Forcément. Ah oui, d'accord. Okay. Donc études. Voilà. Ouais, mais attends, ça veut rien dire. Vous mettez la pression directe. Donc voilà. Alors je ne sais pas comment ça se passe. Il ramène la première cloche. Ah, il y a des cloches. Ok. Ouais. Ah, la cloche. Je pensais que c'était on attend ça. Alors, oui, voilà. Alors, ça, c'est quoi ça? C'est du lait. Du lait, oui, du lait. Il y a de la chantilly aussi qui permet mais de l'inhiber. Mais du lait épicé. Petite question, les gars. Tout est épicé. Du lait bouillant. Petite question, les gars. Est-ce que vous voulez le reveal de ce qu'il y a sous la cloche avant la question ou après la question? Après la question. Il faut qu'on voit la tête du mec une fois qu'il s'est fait baiser. Et bien, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Pour la première question. Okay. C'est très très chaud. Qui est l'interprète de Autobahn? SCH. Let's go! C'est pas vraiment mon actu, c'est juste que je. Tu peux faire le reveal? Faut que tu fasses. Non, attends. Il y a une personne qui donne les règles et il s'appelle Guillaume. Il s'appelle pas avant d'ouvrir la reveal. C'est qui va goûter? On goûte tous les deux. Ah, mais vous allez goûter tous les deux. Et Henri, je t'en prie, du tabac, c'est toi qui va. C'est moi qui administre. Oui, ah ouais, carrément. Et il va pas de ma mort. Oh, le privilège. Il va pas de ma mort. Mais il doit pas de ma mort. C'est pas ce qu'il y a déjà là. C'est ce qu'il y a aussi, mais faut en mettre sur les nachos au cas où, juste pour être sûr. Je l'ai mangé. Oui, oui, ah oui. Attends. Vraiment. Voilà, magnifique. Ils vont sûrement se venger. Donc voilà, très bien, parfait. D'y aller. Il vit que la tapette. Ils vont sûrement se venger. Sois smart quand même. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas tout manger. Non, on doit pas tout finir. Non, mais au moins deux chacun. Deux chacun. Allez. Pardon, on m'a dit d'être généreux, je suis généreux. Allez, après ça, voilà. sur l'échelle de Newton, là, c'est pas grand-chose. Allez. J'ai dit un blaze au pif. Alors. Ça va, en vrai, là, c'est les débuts. Ça, tu mets ça sur une pizza, c'est super bon d'ailleurs. C'est vraiment tranquille, c'est ce qu'on me dit. Mais il y a deux semaines, j'ai fait une vidéo où j'ai goûté des plats épicés et je crois que je suis allé jusqu'à 900.
900 000. 900 000, ok. Ouais. Bah là, on ira jusqu'à 2 millions. Bah, bon. Là, on est à combien sur l'échelle? Là, on est à 3 000. Ah, quand même. Passe bien, passe bien. Et là, 2 millions. Oh là là. C'est pas quoi tes origines? Haïti. Haïti, Antillais, Camerounais, Azac. Donc là, on est bon. Profitez-en, profitez-en. Faites les fanfarons, faites les fanfarons. Est-ce qu'on apporte la deuxième cloche? Enfin, je dis ça. Amenez, s'il vous plaît. Parce que j'ai pu manger dans ma vie. Parce que là, oui, non, là, ça fait trop. Non, non, là, ça fanfaronne. Ça fanfaronne un petit peu trop pour moi. Ah, si, ça réchauffe rien. Un peu plus fort que la sauce qu'on donne pour les pizzas, mais. D'accord. En parlant de pizza, je sais pas, oui. Bon revanche, cool. Promo man. Non, Guigui, Bah oui, j'ai tout cassé. Il faut l'accoucher, non? Mais voilà, tu puisses faire. Hop là, on enlève la première. Ah, donc, on était donc à 3000. On était à 3000, là on va passer. Voilà, ok. Ah, bon, on peut garder les sauces sur la table en plus. Donc là, c'était la première qui était à 3000, messieurs. On va passer à la question numéro 2 et la sauce qui s'appelle Tears. On est entre 1,5 million et 2 millions. Attends. Ah ouais, déjà direct. Non, le comble, bon, avec un média qui s'appelle La Sueur. c'est vrai. Non. Moi, je suis allé au Thomas. Il commence à avoir chaud. Bah, ça monte un peu. Il commence à avoir chaud. Il est content. Les gars. On voit pas comment on a vu passer de 3000 à 1 million. Ouais, c'est vrai, comment ça se fait? Il fallait pas se reposer. Parce que là, ce qu'on dit, c'est que vous allez jouer un petit peu la montre. Bref, les gars, la deuxième question, j'espère que vous êtes prêts. Ok. Quel artiste a été le plus streamé en France ouais. en 2022 Cyril? Je vais lever la main en premier. Oui, Cyril, ouais. Vas-y. Nino. C'est faux. C'est Jules. Oui, c'est vrai. Oh, quand c'est Jules, quel con. Bien joué. Mais quel con quand je l'ai dit. J'ai... Eh oui, ça fait 2-0. Non. Ça fait 2-0. Henri, je t'en prie pour le reveal qui va. En fait, moi je suis là, je suis juste. Tears, qui veut dire les larmes. J'aime pas ça, bien sûr. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Henri, je suis trop bête. C'est le moment de cliper, la famille, c'est le moment. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà. Ah putain, regardez ce grand bonhomme de Cyril qui va transpirer. Doucement. Non, tout à l'heure, on a pas dit c'est quoi. On va y revenir. Allez, c'est parti, dégustez. On est obligé d'en mettre deux là. On est à combien? On est entre 1,5 million et 2 millions. 1,5 million et 2 millions. Oui. Mais d'où c'est comme un moyen par an, on peut arrêter le chiffre quand même, c'est beaucoup. Alors, ça va chauffer après. Ça va chauffer après, mais dans le goût, je crois. Apparemment, le ressenti est tranquille. C'est bon? C'est ce qu'on me dit. Dans l'oreillette. Par contre, il y a que c'est incroyable. Ok. Elle est bonne, hein. Oh, okay. Ça, c'est le vrai piment. Arrêtez de faire genre, vraiment, alors dans deux secondes, ils sont tout nuls, les gars. Non. Oh, on peut plus. La sauce est excellente. Mais tu sais que justement, bon, j'avais goûté une sauce comme ça, donc à 900 000. Et en fait, il se passe que pour l'instant, tout va bien. Le truc, c'est que dans deux heures, genre une fois que ça aura passé le stade de l'œsophage, ça va toucher votre estomac. Qu'est-ce que tu fais là, ça va brûler. Et vous emmenez à l'hôpital. En gros, pendant la digestion, quand on va passer au shot, c'est là que ça va brûler, ça. C'est ça, ouais. C'est délicieux. Oh là là. Ah bah là. C'est là où juste avant, vous avez pleuré. En ce moment, ça va perdre. Mais c'est au niveau du ressenti, les gars, donc ça va monter un petit peu. Là, on ça passe. Va, hein, ça va. Donne notre avis encore. Mais t'es sûr, parce que moi, on m'avait dit que c'était jusqu'à 2 millions l'échelle de Scoville. Je me trompe totalement. 15 millions, c'est ce qu'on me dit. Ah, wow. Oui, donc. Ah, allez, grave. Ah, okay, cool. Donc, mec, vous le mec est bête. On va monter à combien le plus haut? On va monter. En fait, là, on va aller aussi en termes de ressenti. Donc là, on est à 2 millions, mais ressenti assez tranquille. J'ai ressenti 9. Là. Donc, tranquille. Moi, j'adore mon match. Franchement, c'est quoi? Je crois que celle d'avant m'a piqué un peu plus. Je suis très bien là pour l'instant. Ouais, après, et là, la nouvelle cloche arrive. Attention, messieurs. On change aussi un petit peu pour les règles du jeu. Donc là, question de 3 à 6. On passe à l'ardoise. Vous avez chacun une ardoise sous la table. Ah, vous pouvez prendre du coup, y a plus une ardoise par duo. J'ai le cuir chevelu qui commence à transpirer. Voilà, c'est bien. Tu vois ce qui t'attend là. Et donc là, les gars, il faut deviner quel logo est le vrai dans les logos qui, je pense, vont apparaître et on doit sur l'écran. Hein oui. Non, vous devez juste deviner lequel est le vrai. Oui, juste répondre sur l'ardoise. D'accord. Vous avez 15 secondes de réflexion et l'équipe qui se trompe, regarde là, goûtera la sauce. Donc je fais un petit décompte si ça vous va. Concentrez-vous les gars, vous allez la manger là. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Quel logo est le faux? Et le vrai, pardon. Quel logo est le vrai? Quel logo est le vrai? Attends. Moi je dis. Je crois que le quoi. La couronne est différente sur le 2. J'ai l'impression que c'est la bleue la vraie. Le
Il est vrai. Lequel est le vrai? Ouais, ouais, lequel est le vrai? Il reste 5 secondes. Ouais, je pense. Zéro, c'est terminé, messieurs. On va passer aux villes de vos ardoises. Moi, j'aurais dit 1. Ah ouais? Par pur hasard, hein, par pur hasard, hein, j'aurais dit 1. Henri, logo numéro 1. Forcément un perdant. Et ça, c'est beau. Et là, il y a forcément un perdant et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et logo numéro 2. Alors, quel logo il est vrai? Tout se jouait dans la couronne, messieurs. Évidemment. On va voir ça sur l'écran maintenant. Le logo numéro 2 était le vrai logo. Je suis un squatteur de chien. Je suis un squatteur de chien. Justement, vu que dernièrement, on est dans la logique des logos qui sont Commence de plus en plus... Commence pas à parler, ramène la Je suis dit que ça va le logo, tu vois. J'aurais dit logo numéro 1 aussi. Ta gueule, allez. Allez, je t'en attaque à la vie que je l'ai. Qui veut faire le reveal entre vous deux? On va faire les questions de musique. Allez. Mérité. Cyril, vas-y, Assaison. Combien on est, gars? Il y a plus de sauce là. La sauce. C'est quoi là, c'est quel degré de... Donc on est sur 150 000, mais ressenti un peu plus élevé. Donc sauce habanero. Piment habanero, pardon. Carotte, gingembre. Prends ça, regarde. Voilà. Regarde, fais ça, donne-lui. Regarde. Ça a l'air extrêmement bon. Ouais, mes frères. Si. Mais là, il a mis plus de sauce que tu. Mais non, c'est le gingembre. C'est le gingembre, c'est mélangé au gingembre. Allez. Attends, voilà. Tiens mon ref. Allez, tu bonne dégustation. Hein, pour le Henri. Bonne allez, dégustation. Oh, allez, moi, c'est du canne. Non, c'est pas de la sauce. Non, allez. Attends, voilà, magnifique. Alors. Ah, oh, j'adore. Voilà. La sauce. 60. En vrai, elle est bonne de ouf. C'est bon à chaque fois, c'est non, très bon. C'est très bon, sympa. Non, mais là, c'est pas possible. Ça me fait penser à un truc que je pourrais manger dans un resto asiat. D'accord. Ouais. Bah, en vrai de vrai, il y a des piments asiates qui sont violents. Ouais. Ah, c'est pour bon ça bah que voilà. Je dis en vrai de vrai. Il y a les Antilles, Haïti, il y a l'Afrique et puis il y a l'Asie voilà. En vrai de vrai. J'étais persuadé que c'était le logo numéro 1 parce qu'en fait, les logos ils sont tellement simplifiés maintenant. Je me suis dit, ça doit être le logo là qui est plus lisse. En fait. Mais tu auras l'occasion de te rattraper dès maintenant. C'est comment le ressenti là? À la quatrième cloche. On a combien là? On a été, c'est la troisième. Attention, hein. Attention, il en reste un de la prochaine cloche. C'est pas du ketchup. Je comprends plus vos jeux, moi. Vous avez anesthésie, vous avez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec les. Non, rien, je sais pas. Mais non, mais ça. Attention, les gars, parce que là. Non, il en reste 5. Ah, ok, d'accord. Ah, on monte crescendo. On monte crescendo, mais oui. Je crois que la prod nous aime bien, ils ont mis du soja sucré. Parce que ça... Non, franchement, c'est pas assez crème. Non, les gars, là, ça va être un petit peu plus sérieux. Donc, toujours la même chose. Sur le logo. On est sur le logo. Ça va s'afficher dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Quel logo est le vrai? Très facile. Moi, je dirais ça. Et toi? Je suis. Et donc là, on va voir qui fait le reveal en premier, peut-être. Bah, tout à l'heure, c'était... Tout à l'heure, c'était moi qui avais fait en premier, donc 4, vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Nous avons deux réponses identiques. Ouais, voilà, deux bonnes réponses, messieurs. Dans ces cas-là, c'est je pense que vous êtes d'accord, ça jouait sur la police d'écriture. Bah, je pense que là, ouais. Bah, tout le monde va manger... va manger son petit truc, hein. Tout le monde va manger son petit truc. Ben oui, les gars. C'était 1. Mais non, oui. C'était deux. Quoi? La réponse était deux. Mais ah, vous aviez tous raison. Alors, elle est où la logique? On va tous partager un instant ensemble. Vous êtes trop forts. Vous avez tous gagné, donc vous avez tous perdu. Mais oui, c'est bizarre. Déjà, alors, ça s'appelle Swamp Dragon, donc le dragon des marécages. Et il y a écrit tequila en dessous. Poivre fort et tequila. Tequila? Ouais, oui. Vous voulez que je goûte pour vous? Allez, goûte pour eux. Poltanese. Eh oui, moi aussi, je suis un millénial. La musique est incroyable. Je suis bien loin de ça. Ça me fait bouger un tabernacle. Apparemment, elle est ultra salée. Désolé pour tous mes Québécois qui sont sur ce live. Tous mes Québécois fous. Oh, il se passe quelque chose? Ah ouais? Attends, trempe pour de vrai. Ça n'a aucune logique, par contre, le fait de devoir manger alors qu'on a celui de la Non, j'ai inventé la règle. C'est ce que j'ai ressenti, putain. Non, du vinaigre. J'ai trempé à mort. Non, l'alcool, là, ça réussit pas. Ça picote un peu ou pas? Ça réussit pas du tout. Oh, mais là, c'est immonde. C'est même pas bon. C'est juste pas bon. Non, c'est pas bon en fait. Ah ouais? Bon. Je sais pas, j'ai l'impression de dire.
Tu vois, quand tu sens du vernis, là. Ça pique un peu, là. Ah, voilà. Ouais, d'accord. On commence à passer aux choses un petit peu plus sérieuses. Moi, ça va. Oh, la langue, c'est pas bon. Formidable. Et ouest, la sauce sur la table. Bien. Formidable. C'est bon, pas bon, ouais. Bon, bah, voilà. C'est pas bon et ça pique un peu. Ça pique un peu. Les gars, c'est bien parce qu'il reste 4 questions. Cyril commence à avoir un petit peu chaud. Donc les gars, toujours le même logo. Attention, prenez vos armes. C'est pour le plus, hein. C'est Cyril. Je vais demander sur la casquette. Ouais. Il a ses cheveux. T'as des cheveux. Moi, bah, non, lui, c'est un cool direct. On amène la nouvelle cloche. Il va enlever la casquette. Non, je suis bien. Il y aura plus de cheveux. Je suis très bien. Je suis très très bien. Alors, Ah ouais, mais c'est quoi, là, tu m'as pas passé la langue là. Bah en fait, Daglo, ça va, mais c'est plus le goût, moi, que je trouve horrible. Ah, il fait trop ça. Ouais, là, on était sur du 150 000, mais ressenti supérieur à ce qu'il y avait précédemment, qui était pourtant à 1,5 million. Ouais, la langue. Mais c'est bizarre cette histoire de ressenti, ça veut dire que ça peut être la même chose. C'est comme les températures. Ça me donne très vite chaud ici, mais en vrai de vrai, ça va, genre, je supporte. Ça dépend de la concentration de piment qu'il y a dans l'intérieur de la bouche. Mais bon, tu commences à avoir un peu chaud quand même. Un petit peu, ouais. Mais vous saviez que c'était. Alors, blague à part, mais il me semble que c'est la nourriture préférée des astronautes, la nourriture épicée. Parce que quand ils sont en apesanteur, ça perd le goût, et du coup, c'est la seule sensation qu'ils peuvent bien ressentir. Ah, parce que tout est. Il y a des gens qui rigolent en off. C'est très intéressant, j'adore. Mais oui, c'est vous moquez d'un mec qui a de la culture et qui peut apprendre des trucs comme ça. Lui, il se rappelle même pas des prénoms de ses potes. Et c'est ça le niveau intellectuel de cette émission. On amène de la culture en fait. Voilà. Donc, Cyril, l'attention. Question. Tu sais que le logo de Starbucks, c'était la couronne, il y avait 4 trucs. Bah voilà. Question numéro 5, les gars. Question numéro 5. Question numéro 5. Attention, vous avez toujours les ardoises. 5, 4. C'est long, 5 secondes. 2, 1, c'est parti. Quel logo est le vrai? Alors là, bon chance, oui. Parce que c'est compliqué. Attends, mais c'est trop dur. Bah, c'est le 2. C'est un brisanti, quoi. Non, c'est la lumière. Il reste 5, dégradé, là, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Je pense que là, les gars, vous allez manger l'un. C'est parti pour le reveal. Attends. Oh, non, mais pareil. Oh, tous les deux sont en réponse une. Quelle était la bonne réponse qui va s'afficher maintenant? C'était le logo numéro 1. C'est fou qu'on ait réussi tous à savoir, alors qu'en vrai, la différence, c'est juste dans les couleurs derrière. C'est ça. Bon, allez, les gars. Des matrixés de nos c'est le moment d'avoir un petit peu l'amour du risque. Alors, laisse-moi voir un peu le nom de ce truc. On dirait une bouteille de cognac. Donc, on est sur du Jamaican Hot Chocolate. Jamaican, c'est bon aussi, allez, c'est pas. Purée de piment au chocolat chaud jamaïcain. Ça donne envie comme ça. J'ai entendu la régie crier quand t'as avalé, là, tu vas souffrir. Non, t'inquiète, on est hâle, mon frère. On est hâle. Il va parler comme ça. On est hâle, je disais. Les gars, on va juste pouvoir quand même ramener du lourd parce qu'ils mangent ça tranquillou. Ou alors il y a un petit peu d'esbrouffe. Encore une fois, elle est pas très bonne. Mais elle est pas très bonne. Non, elle me pique pas encore trop la gueule. Non, ça va. Mais pense, ça me rappelle les anciens défis YouTube là où t'avais des gens qui testaient des piments et qui les goûtaient à la caméra là. C'était la mode. Hein. Mais tu sais genre vraiment le croquage de piment, pas l'interview avec non, le. Non, ça va franchement. Moi la Jamaïque ça me va. C'est jamaïcain ça. Moi ça va. Ouais, jamaïcain. Chocolat chaud jamaïcain. Ça va. Ça commence chocolat, à piquer, ça commence chaud à jamaïcain. Chocolat d'éternuer, en fait, dans la vie d'éternuer. Là, va, là. On était à combien sur l'échelle Là, sur l'échelle de Scoville, on était à 500 000. Ça peut donner des idées. En fait, il y a un ressenti. Ouais, mais en fait, c'est le ressenti, et le ressenti dépend de la concentration, donc c'était un petit peu plus concentré. Mais rassurez-vous, les trois dernières sont apparemment sans coach. Désolé. Ah, voilà. On m'a dit aussi qu'au bout d'un certain moment, tu ressens plus la différence. C'est parti. Ah, ok. Et on va à nouveau avoir l'ardoise pour la toute dernière fois. Pour la toute dernière fois, l'ardoise, le logo. Et honnêtement, là, les gars, je vous le dis, c'est le moment de tout donner. C'est le moment de tout donner. C'est mal, lui, les combattants, ils viennent, ils sont là, tu t'interviews tranquille, sympa. Ouais. Nous, on vient, on nous fait craquer. Ils sont dit, ouais, eux, c'est des youtubeurs, là, ils font rire. Ils vont avoir un combat vendredi, on va pas les faire souffrir. Mais c'est pour ça. J'avoue, non, mais c'est peut-être un moyen de cutter. Ah, bah là, vous allez bien évacuer, les gars. Il reste en bouche, le Jamaïcain.
Ah. Ouais, la plante. Il est bien sûr. Celui d'avant, il est plus piqué, je t'avoue. Ah ouais. Il n'y a plus de goût là, ça y est. Perturbe pas dans ma bouche, il n'y a plus de goût. Avant, c'était le swam de la rouge. C'est plaisant. Ah, formidable. Alors, moi, c'est le palais qui commence à prendre. Genre, il reste en bouche, il pique, il pique. Il monte un peu, celui-là, jamaïcain. Il a retardement. Attendez, deux secondes. Et ben, ça devrait monter un petit peu plus pour le prochain, les gars. Regardez bien les écrans. Donc, le logo va s'afficher dans 5, 4. Il la boit, il boit sa bouteille avec la. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Mettez un logo Gentlemate. Allez, on est parti. Champion de France. En on est parti pour le logo 5. 4, wow. 3, là, 2, je vis là. 1, c'est parti. Quel logo est le vrai? Je l'ai, je crois. De toute façon, ils ont déjà, tu peux parler, ils ont déjà écrit. Ouais, ah non, ils sont chauds. Ils sont chauds. Là, on met la primeur à Henri et Yvick pour ça. Allez, bâtard. Quoi? Ils sont chauds, ça veut dire quoi? Ils ont gagné. Ça veut dire qu'ils ont répondu en premier. Donc, allez-y. Donc, si c'est. Réponse 1 est de votre côté. Oh, c'est terrible parce que je sens que là, il va clairement y avoir un perdant. Ils sont morts. On me dit qu'ils sont morts. C'est parti pour le reveal, les gars. C'était le logo numéro 1. Alors, vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Eh, on est youtubeurs, on est payés par Google. Mais ça veut rien dire, le logo. Ça veut rien dire, ça change tout le temps les couleurs. Messieurs, non. Anecdote, justement, j'ai été stagiaire en fait. Donc. Voilà. Ouais, mais on parle de Google quelle année? En fait, il dit que depuis tout à l'heure, ils m'ont leur ça a changé ses couleurs. Cette sauce s'appelle la Crazy Bastard Sauce. On va pouvoir y aller. Carrément, genre, littéralement, la tradition, c'est la sauce de l'enculé. Voilà, c'est ça. Allez, pour voilà, voilà, j'aime ça. C'est bien. Je peux sentir. Non, surtout qu'en vrai, je te dis, on redescend un petit peu. On redescend un petit peu. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Ça va. Non, je peux pas manger ça. Mais si. Mais si. Mais attends, tu vas me dire que celui-là, il doit. Ah, mais attends, la bouche. Ou donne-le à Cyril. Tu veux? Cyril, c'est ton émission. Si toi tu le manges pas, qui va le manger? Je dois manger celui-là qui est full. Allez, il faut marquer le coup. C'est pas moi que j'ai un jeu, ça va être chaud. Allez. Vous êtes tarbas, vous êtes tarbas. Le chat, ils sont en feu là. Ils sont en feu, ils se disent allez, c'est parti. Bah oui, content. Tant de nombre de personnes que tu vas inspirer là. Allez. C'était solidaire, bâtard. Non, c'est pas bien de faire ça. Voilà. T'es moi, il prend qui est vidé. Allez, bon, allez, trinque un petit coup et c'est parti. Allez, j'ai rien plus courte que moi. Et vous avez du lait pour après au cas où. Allez, à la une, à la deux, c'est parti. Voilà, c'est bien. Magnifique. Bravo les gars d'avoir donné votre corps à la science. Ah c'est formidable. Oui. Alors, est-ce que ça monte tranquillement? Il restera deux questions après. Bah, je crois que, alors... ah, en vrai, ça va? On est redescendu un peu, t'as dit? Non, on monte un peu normalement. Non, il le ressenti est supérieur. Il nous a dit les trois dernières. Attends. C'est le plus fort. Ouais. Non, je pense que après, c'est un retardement. C'est un retardement. C'est un piège. Wow. Ah, mais il y a eu. C'est vraiment quand tu vas chez toi dans ton lit. Ah ouais, pas mal. T'as mangé avant ou pas? Enfin, des caca chelous. Ouais. Les gars, vous avez deux verres de lait devant, au cas où. Attendez, vous m'avez bien eu là. Le pain de mie aussi. Vous savez déjà que ça va être compliqué. Oui, le pain de mie aussi. Ah, je crois que t'as la première sauce qui est tombée dans mon bide là. Ah, voilà. C'est chaud là. Ah, mais quand ça arrive, tu peux vraiment être en mode. Ouais, mais là, j'ai senti un truc, je te jure. J'ai senti en mode. Moi, quand je l'avais fait, j'étais en train de boire un verre avec quelqu'un. Allez, les gars, franchement. Ah ouais, ça marche. On va enchaîner avec les deux dernières questions. Mais les deux dernières questions sont extrêmement compliquées. Donc, on ne vous demande pas d'avoir la bonne réponse, mais d'être le plus proche possible de la bonne réponse. D'accord. Toujours avec les ardoises. Donc, question numéro 7. J'arrive à me concentrer, là. On attend d'abord la nouvelle cloche. Ah! Roulement de tambour, hop là, tac. Et formidable. Oh, ma pauvre langue. Magnifique. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que ça a des vertus pour le corps de manger épicé ou ah, de c'est manger... formidable, tu perds beaucoup de poids. C'est vrai? Ah bah, tu verras demain. Oui. Ça dégage les sinus. Ah ouais? Ouais, ok.
Ah oui, ça doit tuer des bactéries, non ? Oui, ah bah là. T'as oui. du tout. Même ton estomac est mort, en fait. Non, mais c'est du détergent. Hein. Non, ça va, je suis en train de faire le chat. Vous le voyez pas, l'image. Mais nous, là, devant lui, là, il est translucide. C'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est le mec qui est le moins... T'as pas le droit au chat. Il est combattant, pro. On vient de me dire ça. C'est pour ça, avec ta tablette, elle était éteinte. Voilà. Alors... On est parti pour la toute dernière, enfin l'avant-dernière question, pardon, il faut être extrêmement attentif. Ok, on est là. Quel est le KO le plus rapide de l'histoire du MMA? Et la durée. C'est enlevé la main ou on écrit là? La durée sur les ardoises, vous écrivez la durée du combat sur les ardoises. Ah ouais? Ah oui, ça je savais. Et vous pouvez aller dans les centièmes, vous pouvez aussi jouer dans le chat. Dans les centièmes. Allez, vas-y, c'est bon. C'est parti. On peut aller dans les centièmes. Eh bien, messieurs, on peut aller dans les centièmes. C'est parti, honneur à Henri qui était particulièrement vif. Quelle est ta réponse? Je pense l'avoir. Alors, ça dépend parce que MMA, ça dépend de si c'est toute ligue confondue ou quoi. Mais si c'est UFC, je pense que c'est Ben Askren, Masvidal avec le coup de genou. C'est faux. Eh merde. Ah ouais? Il y a plus court que ça? Il y a plus court que le coup de genou de Masvidal? Non, oui, mais c'est son temps qui n'est pas vrai. C'était 4 secondes pour Masvidal. Bah oui, c'est ça. Et pour toi, c'était? C'était 2 secondes. 2 secondes. Pour Masvidal aussi, vous aviez? Masvidal, c'était un peu plus, comme tu as dit. Et je sais qu'il y avait mieux que Masvidal, donc c'est pour ça que j'ai tapé un peu en dessous. En connaisseur, c'était 1 seconde et 13 centièmes. Lors du WC MMA 14, Michael Gaël, un high kick à son adversaire en seulement 1 seconde et 13 centièmes. WC. WC MMA 14. Hein? Oui, mais ça. Non, mais je suis désolé, moi je connais que l'UFC. Allez-y, faites-vous plaisir, la faute est allée, la sauce. Elle sent pas bon. Oh mec, déjà rien que la tête du truc, c'est même pas de la sauce, mec, c'est de la lave. Ah, mais attends, tiens. Non. Mais c'est pas un bail même où il a fait coup de pied sauté presque en courant en direct Putain mec, je me sens tellement con, je pensais vraiment que c'était Masvidal. C'est pour ça que j'ai dit pas être attentif. Alors. Oh, mais frère, mais tu m'as donné quoi là? On avait des tartines de Nutella. On a Evic qui directement il a été. Oula. Oula, il est pas bien. Attendez, je vais me filmer au moins. Wow. Allez, Henri, c'est à toi, quand même, tu vas pas. Voilà! Attends, lâche ta main. Waouh! Il reste encore une question? Il reste une question! Oh putain, j'ai pas envie de perdre! Ah ouais? Oula. Est-ce qu'elle est bonne? Je suis pas solidaire, je vais même pas goûter, frérot. Ah ouais? Regarde, Henri. Il pleure! Oh putain! C'est le rap. Je suis tellement heureux! Les gars, il reste une question! Voilà, laissons les savourer un petit peu. Oh putain! C'est pas facile! Oui, voilà, un petit peu de lait, ça va faire du bien. Écoutez! Voilà. Vous pouvez en prendre un petit peu pour laisser couler, si vous voulez. Il laisse le nez dans la bouche. La violence. Ah ouais, c'est chaud comme ça. Vous voulez pas tester vous aussi? Juste par curiosité. En vrai, je pense que tu dis n'importe quoi. Ça me dit. Ouais, j'ai des remontées de sauce piquante quand je rigole des fois. Ouais, c'est pas bon. Je me calme un peu. Ah ouais, ça va, mon reste, c'est vrai, pour de vrai, c'est chaud. Oui. Ils ont pas dit. Ils avaient prévu, c'est vrai, ils n'avaient pas menti. On va passer à la toute lait, s'il vous plaît. Dernière cloche, et puis un petit peu de lait pour le monsieur, parce que là, vrai que ça devient un peu compliqué. C'est vrai que moi, ça transpire. En vrai, ça veut transpirer. Mais ça va. Mais ça va. Ok. Genre la douleur. D'exploser du pain. Mais ça va. Il vit que c'est comment, ça va, en vrai, de vrai. Non. Non mais genre t'es pas yam, genre crève. La langue surtout. C'est bon, ça va. Fais pas ça, c'est pire. Fais pas de l'air à de l'oxyde, c'est pire. Tout à l'heure j'ai fait ça, en fait c'est pire.
Non, moi, j'ai encore chaud, frère. Moi, j'ai encore. Ah ouais, la chantilly, ça annihilerait bien. Ça, oui, ouais, un mouchoir. Moi, je transpire du crème. Ils n'ont pas de chantilly, malheureusement, les gars. Je rappelle qu'il reste une question. Et là, pour la question, le châtiment sera la sauce naga, piment naga, vinaigre, gingembre. On est à 2 millions. C'est la pire de la soirée. Il a son troisième verre. Voilà. Celle-là, là, on était juste en tour. On était en 1 million 2. 1 million 2, là on a 2 millions. Là on va être à 2 millions, c'est 2 millions. Le all-time de la soirée. Mais tout le monde, tout le chat veut voir Henri et Yvick manger ça. Manger à 2 millions. Tout le monde veut voir Henri et Yvick manger ça. 2 millions. Ah. Il vient de descendre une bouteille. Comment il a pas parlé de ça. Il vient de descendre une brique de lait. Dans la région, on pense que t'as un problème de micro. Mais ça va, toi, Henri, franchement, tu le vis bien. Ah bah, j'irais pas bien, mais. Il est en âge. Comment sa voix n'est pas bien sortie. J'irais pas bien, mais. On dirait la prune patate. Ah non, mais moi, vous avez vu que je l'ai mangé, j'ai mangé, frère. Il y avait une tartine, frère. Ouais, non, elle était pas. Ah non, mais lui, il m'a servi un truc, mec. Ouais, mais c'est beau. Allez les gars, la dernière cloche. Il y a des mouchoirs les gars. La version verte, on le met tout de suite. On laisse un couvrir un peu les joueurs. Ça arrive des tartines de malade. Non, j'étais déjà servi. Aller. Non, alors, il avait une tartine comme il vit. Allez, on trempe de l'eau. Les gars, la 8e et dernière question. Tout se joue sur cette question parce que les perdants devront chacun prendre 2 nachos. Ah le bâtard. Comment ça en plus basse. Bah là, c'était une par personne. Donc là, on passe à 2. C'est obligatoire. Wow. C'est parti pour la question. Donc, encore une fois, vous devez vous rapprocher le plus possible de la vérité. T'as entendu ? Le perdant doit en prendre 2. Prépare-toi à manger. Je compte sur toi. Quelle est la capacité maximale de l'Accor Arena où Cyril va combattre le 9 septembre prochain face à Sergueï Spivak lors de l'UFC Paris Volume 2 ? La capacité maximale. Maximale, en termes de spectateurs. Au sol, etc. Ouais, exactement. Combien on peut mettre de spectateurs ? Ouais. Ouais. Quand il y a le plus de monde au total. Jamais. Oulala. Oulala. Oh, j'ai peur pour les deux équipes. J'ai peur pour les deux équipes, c'est terrible. Ok. J'irais ça, c'est de peur pour les deux équipes. Pourquoi tu dis ça, toi ? Parce que je suis sûr. T'as entendu ? Ouais. Vas-y, je suis moi, putain. Allez, il reste 10 secondes. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. C'est terminé. Place au... Reveal. Sérieux pour de vrai. J'ai tellement mal pour l'équipe qui va perdre, là. Oh, c'est terrible. Arrête un peu, toi. Oh, je suis trop mal. Je suis vraiment trop mal. Mal pour nous. C'est la finale de la Starac qui est comme ça. J'ai même chaud. Il alors, ouvre l'enveloppe, il fait ça. Ouais, c'est terrible. Vous allez douiller, c'est... Ah, merde. Les gars, c'est le moment de montrer vos ardoises. Ok, 3, 2, 1. 19 000 face à 21 000. La réponse s'affiche à l'écran. Je suis désolé. Je suis désolé. Yes. Je suis désolé. Yes. Je suis désolé. Yes. Oh, let's go. Yes. 20 000, c'est dommage, on aurait gagné. Yes. Allez, c'est parti. Désolé. T'inquiète, mais moi je voulais pas te douter, je voulais pas te faire douter. Yes. J'avais dit 20 000, mais je voulais pas le faire douter. Est-ce qu'on peut déjà apporter un petit peu de lait ? En vrai, 0-20, ça me fait un peu flipper, premier degré là. Attends, parce que dans le chat. Ah. En termes de santé, en fait. Dans le chat, on mourir, tout ça. Non. Dans le chat, oui. On me dit Guillaume doit goûter avec eux. Je mens pas. Non, mais dans le chat, Guillaume goûte avec eux. Voilà, Guigui mange aussi. Guigui, let's go. C'est ça la chose. C'est le chat qui appelle. Non, mais je peux pas. Mais t'abuses. Sinon, on mange tout. Tu vas transpirer, après, tu vas pouvoir faire ton placement pour tes serveurs. C'est vrai. Voilà. Regarde depuis en haut de la page. Mais c'est fou. Cyril, vas-y. Arrête de mentir, Cyril, let's go. Bon, allez, les gars. Arrête. On le fait tous, soit ils le font tous les deux. Non, tu peux au moins les accompagner sur ça. Moi, non, je pas. Peux pas. Moi, je peux pas. T'es sérieux, Guigui ? Ma force, je suis obligé d'être en retrait un petit peu. Je suis obligé d'être en retrait. Les gars, bon, il est pas solidaire avec vous. Hein. Allez. Non. Joue jusqu'au bout. C'est vrai. J'ai des baisers. Attends, regarde. Attention. Voilà. Magnifique.
qu'il faut manger deux, voilà. C'est ça. T'as bien la chance que je peux pas taper. Voilà, voilà. Dingue. Choisis celle que tu veux. Juste un. Et là, vous pouvez en prendre juste un seul. Non, on a dit deux. Non, mais non, là. Non, dis deux. Non, mais là, t'as fait le fou, là. Tu veux les tuer, tu veux les tuer. Tu veux les commenter. Non, juste un, juste un. T'as dit deux. Mais en fait, t'es sadique, en fait. Le mec, il nous invite. Mais oui, les gars, on est sur ton plateau. T'as perdu, on a gagné. Tellement c'est quel présentateur, oui, c'est quel homme fait ça, c'est quel qui a une émission qui détruit ses invités, voilà. Genre, voilà. Une, allez, pur plaisir, voilà. Je suis tellement heureux, les gars, voilà. Je suis une. Tellement heureux, ça je veux partager regarde. Ce sentiment avec vous. Deux. Bah non. C'est compliqué, oui. Et surtout, ne vous touchez pas les yeux, hein. Cyril aussi, hein. Ouais, ouais. Touchez pas les yeux, bien évidemment. Je suis trop heureux, les gars. Regarde, je t'aide, mon frère. Bref, trois, toi c'est une deuxième. Je l'ai vidé. Mais franchement, mais laisse-nous servir. Oui, non, là je pense que ça, je vais vite. Franchement, je pense que là ils peuvent choisir. Quel homme. Ouais, oui. Voilà, vous avez vos quatre. Allez, quel homme. Les gars, ouais, après vous, bonne dégustation. Franchement, faites-vous plaisir. Mais les gars, en termes de santé, on est sûr, là, il n'y a pas un médecin. Il y a tout dans le monde. Il y a deux, donc. Allez. Cyril, bah, je sais pas, ils ont dit deux. Oui, non, juste une. Attends. Stratégique. Voilà. Juste, oui. Si ça avait été nous, vous auriez quoi? Vous auriez baissé le c'est chiffre bien. Un. Voilà, juste. Bravo, Yvick. Franchement, bravo, Yvick, encore une fois. Un d'abord dans la bouche, je suis pas un. Mettez un dans la bouche. Oui. Encore une fois. Il se passe quoi si j'en prends trois? Bah frérot, je pense que le chat va te respecter. Non, t'en oui. Prends un. Ah oui, le chat là, ils sont en train de dire wow. Les gars, je suis prêt à me sacrifier pour que oui. Cyril en prenne un. Non, c'est beau. Non. Moi, je veux pas de problème ouais. D'incident ouais. Ici. Regardez, il dit qu'il est tranquille là, tu vois. C'était pas si fort que ça, celle-ci. Tu vois. Moi, je veux bien que Cyril y goûte. Hein. Allez, c'est comment. Tu vois, tranquille. J'ai peur de vomir, frère. Oh, ça va là. Tu vois, ça va. Il y en a encore là, attends. C'est bizarre ça. Ouais, c'est bizarre, ça va arriver d'un coup là. Allez. Là, le chat, ils sont en train de pousser pour toi, Cyril. Non, mais toi. Les gars, je suis à ma première. Je suis à ma deuxième. Mais. Waouh. Mais j'ai tout vidé en vrai de vrai, j'ai tout vidé. Waouh. Je suis à ma troisième. Mais non. Et je vais en prendre une bien. Les gars. Il a sa première. Et après ça, je veux que Cyril en prenne une. Voilà, quand même. Il en a pris trois, Cyril. Ah, ça va, le poumon, il est éclaté, vous racontez quoi? Il n'aurait pas fait ça sinon. C'est vrai qu'il est moins fort que celui-là. Oh. Vas-y, ça sert à rien que je le goûte, les gars, il est pas fort, voilà. Je suis déçu. Ouais, c'est vrai que ça sert à rien. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que ça sert à rien. Vous voulez pas goûter la sauce précédente? Bah non. Celle d'avant? Ouais. Bah non. Juste par curiosité. Je suis en train littéralement de mourir. Ah voilà, ok. Tu me dois ça. Oh là là, celle d'avant, tu devrais la tester. Ah. Ah ouais? Putain, ça m'intrigue. Mmh. Allez, bah. Ouh. Celle d'avant, pas celle-là. Celle d'avant, elle était vraiment forte. Je rigole. Allez, ah ouais? Les gars, celle-là? On teste celle d'avant. Les gars, laissez une caméra sans lui, s'il vous plaît. Pas celle-là. Laissez une caméra sans lui, s'il vous plaît. Celle d'avant, moi, c'était la scorpion. Celle d'avant, tu vas voir. Ok, bah. Ça y est, on va vomir. Il est pas bon. Laissez une caméra sans lui, s'il vous plaît. Il est pas bien. Il a du lait. Est-ce qu'il a du lait? Peut-être lui ramener un petit peu de lait, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut m'amener la scorpion? Oui. La scorpion, on en a toujours, je crois qu'elle est. On l'a laissée sur la table. Quoi. Non, ben non, c'est impossible que je fasse un mélange de scorpion et de celle-là. Ramène-lui une bastille, s'il vous plaît. Il essaie de faire redescendre en buvant. Frérot, c'est ça. Est-ce qu'on peut nous ramener la scorpion, s'il vous plaît? Ouais, putain. Parce que je crois qu'il manque une caméra sur Henri. Bloque la scorpion. Oui. Non, mais Henri, vraiment bravo à lui, hein, parce qu'il en a pris trois. Oh, wow, personne. Henri était une légende, hein, franchement. Oui. Wow, franchement. Wow. Ouais, parfait. Le chat, voilà. Te respecte. Merci beaucoup. Ouais, merci, quoi, magnifique. Voilà, ouais. La scorpion. Oh putain, il va vomir. Il va pas vomir, là, il est bien. Là, il est bien. Enlève ton t-shirt. Non, mais elle schlingue, elle. Vraiment, elle schlingue. T'as vu? Ouais, elle schlingue. Tu vas voir, exemple, tout à l'heure. Ouais, elle schlingue. En fait, quoi, c'est de l'olive? J'aime pas l'olive, moi. Ah, mon nom, laisse tomber. Allez, allez, allez. Laisse tomber. Let's go. Mais les gars, on joue à un jeu, je comprends pas. Il y a des gagnants et des perdants. Ouais, mais là, c'est pour l'amour du risque, l'amour du beau jeu. On prend pas. Thomas. Voilà, voilà, c'est magnifique. Ça fait plaisir de voir quelqu'un comme ça. Contrairement ça au. Va, ça, oui, mais c'est moi j'ai eu plus, mais vas-y, tu vas voir. Non, c'est pas. Avoir du lait? Non, t'as pas pris ouais, plus. Mais j'ai quand même pris. Si, il a pris plus. Non, tout à l'heure, il a pas pris plus. Oh, si, il a pris plus. Celle d'avant, là, que j'ai douillé. Là, c'était une tartine de Nutella double dose. Ouais, là, ouais, ça va. Attends. Ah ouais, bah attends. Vas-y, je prends. Allez, je vais prendre avec ton morceau. Petite lichette, voilà. Prends, je prends avec toi. Et Cyril va le faire. Vas-y, t'inquiète, celle-là est pas. Tu vas souffler à l'oreille. Petite banane, voilà. Je prends avec toi, t'inquiète.
Moi, je veux bien une petite banane aussi, juste pour le plaisir. Voilà, merci. Guigui, pourquoi tu fais ça? Ouais, je suis chaud, parce que là, je pense que je vais être... Voilà, vas-y, nickel, merci. Voilà, tiens. T'as mangé? Voilà, petite banane, tranquille. J'ai pris le double de toi. Mais parce que aussi, tu fais le double de moi, gars. Parfait. Non. Mais voilà. En plus, le lait, ça déguste. T'en bois tellement quand t'en bois beaucoup comme ça d'un coup. Oh, ça retombe déjà le bide aussi. Ah oui. Caméra sur Cyril, s'il vous plaît. C'était l'avant-dernière en quand plus, celle-ci. La glotte là, le fond de la gorge, d'avant là, direct à t'attaque. Oh. Qui pourtant, sur le papier, était censé être un petit peu plus tranquille que la précédente. On était sur la Scorpion, donc on était c'est un vrai, 1,2 million. 1,2 million la Scorpion. Piment Trinidad. Encore du lait. Putain la vache, je suis en train de. Ouais, putain la vache, même quand ça... je le sens descendre celui-là. Ouh là là, je le sens dans l'estomac. Alors les gars, est-ce que vous êtes contents d'être venus ce soir? Moi, je suis pas content parce qu'il a pas mangé ce que j'ai mangé, Cyril. Ah, je suis d'accord avec toi. Celui-ci, il est pas fort. Celui d'avant, il est fort. Waouh. Ah, j'avoue, celui d'avant, il est fort, les gars. Ouais, mais en vrai, Cyril, Henri, il a mouillé le maillot. Il a mouillé le maillot. J'ai gagné. Tu veux quoi? Non, mais au moins tester la dernière. Cyril, est-ce que t'es une légende? Ah oui, est-ce que t'es une légende? Non, pas encore. Ah ouais, voilà. De toute manière, c'est pas à moi de le dire si je suis une légende ou pas. Je comprends pas ce que vous me racontez. Elle est solide, celle d'avant. Ouais, elle est grave solide, ouais. Eh, les gars, je comprends pourquoi vous étiez dans un sale état. Ouais. Mais par contre. Bah non. On m'a pas dit que ça prenait aux oreilles aussi. Et c'était que l'avant-dernière en plus, les gars. Non, en tout cas, c'est pas la dernière. Non, l'avant-dernière que test. L'avant-dernière. Vous avez la dernière. Les gars, rassurez-vous, le jeu est terminé. Donc voilà. On est d'accord que l'avant-dernière était plus fort que la dernière. Non? La dernière? Mais jamais de la vie, il faut qu'il couche la dernière. Oula. Oh. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu veux du lait? Il va te transformer. Celle-là. Waouh! Tu peux nous ramener des serviettes, elle est solide, hein? Oh ouais! Des serviettes, du pain, on a du pain, on a du lait. Oh là là! Oh là 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 là! T'as un main comme ça, frérot? Ah ouais, je t'en prends mes oreilles là! Ah bon? Oh! Wow. Oh, j'ai chaud là! T'es malade! Ah ouais, j'ai chaud là! Tout le monde a très chaud! Mais quand même, respect à Vicky pour avoir enchaîné les deux dernières. Oh! On a un petit peu de serviettes, ça va aller beaucoup mieux normalement. Non, respect, Henri. Non, mais t'as vu comme il est bien, Henri, là? Respect, j'ai l'impression qu'il peut en prendre 3, 30. Le lait, c'est efficace, hein. Oh, c'est pas... Oh, attends. La banane, franchement. La banane, ouais, c'est ça le plus efficace, tiens. Et la banane, c'est banger, mec, c'est vraiment... solide. L'avant-dernière, j'ai pas goûté la dernière, je vais vous dire, mais... Non, je vais pas goûter la dernière. Mais qu'est-ce qui chauffe le plus, là? C'est au niveau de la tête, c'est... C'est au niveau de la langue, il se passe un truc, là. T'as lu, il a une réaction chimique carrément dans son corps, frère. Il entre en fusion. Ça va, Evic, ou pas? Non. Non, ça va pas? C'est quoi? Pourtant, t'as pas l'air d'avoir très chaud. Hein. Oh! Votre langue, oh là là, mais c'est insupportable! Votre langue, elle vous fait rien? Ça va durer longtemps, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a une idée en régie justement sur la durée des effets là? Tu veux, frérot? Non, pour aucune idée. Donc voilà. Ça va se terminer quand ça va se terminer. Qui a eu l'idée de ce jeu? Je préfère prévenir le chat, c'est pas moi qui ai dit. Si, c'est Cyril qui a eu l'idée. C'est pas du tout moi qui ai eu l'idée de ce jeu. J'accompagne. Non, arrête, toi. Non, c'est vrai, tu vas faire ça. On va pas goûter ça là. Non, mais non. On va pas goûter ça là. Mais non. Frérot, tu l'as dans les mains, c'est pour goûter. Waouh. On l'a pas goûté, nous. Non, on l'a pas goûté. Cyril, faut marquer le coup. On est une team, non? Attends, c'est laquelle? T'es sûr que c'est celle-ci? C'est la dernière. Ouais, c'était la dernière, c'était celle-là. Allez, vas-y, je suis pas un bon. Bah bravo, les gars. Franchement, bravo, les gars. Ah, la chip, ça a été molle tellement, ça fait depuis 3 ans. Attends, ça va avoir le bien. Franchement, je peux avoir encore, s'il vous plaît? Tu veux un peu... Mais non, je sais pas si tu veux une autre banane. Oula, ouais. Ah! T'es pas mal au bide, vous? Il me faut du lait. J'ai bu trop de lait, en fait. Ça fait mal au bide. Ah, c'est ça, tu as bu trop de lait? Attendez. Eh, la première fois. Franchement, c'était un jeu super débile, les gars.
C'est puéril, les gars, c'est puéril. Celle d'avant, la dernière attaque moins. Ah ouais? Oui. Ah, t'as goûté la dernière, là? Elle attaque moins. Ok. T'as goûté la dernière? Ouais, j'ai pris. Ah ouais, ok. Ah, c'est vraiment débile comme jeu, ça va durer combien de temps dans la boîte? C'est puril, les gars, c'est puril. Mais honnêtement, Cyril, là, t'es celui qui tient le mieux. Je tiens, en fait, mais ouais. Mon corps, tellement qu'il me transpire. Ouais. Oh, je vais chier un bus. oui, on va leur passer un petit peu de lait pour qui veut. Ça va aller beaucoup mieux. Je sais pas qui veut. C'est débile comme jeu. Ah, bon. Pourquoi on a fait ça? C'est puril. C'est archi débile. Oui. Putain. Personnellement, j'aime bien regarder ce genre de jeu quand c'est les autres qui le font. Oh. Oh. Après l'euro. Ouais. Ouais. Oh, le live, frère, j'en regarde. T'as bruit qui saute dans tous les sens. On n'a pas bougé, frère. En bref, wow. Les invités ne te remercient pas. Ils sont contents, le chat, ou pas? Le chat, ils sont ravis. Ils sont absolument ravis, particulièrement impressionnés par le courage d'Henri. Henri, bravo. Ah ouais, Henri, j'ai pas mangé, moi, le taf. J'ai pas mangé. Vraiment. T'as pas mangé, bâtard? Non, j'ai pas mangé. Ça. Oh, bâtard, t'as pas mangé. Franchement, maintenant, ça va, ma question, pas mangé. C'est elle est où ma ceinture? Mais oui, la question, elle est la ceinture, t'as pas mangé. Ma ceinture BMF. T'es mort. Ah, tu vas écouter ta soeur? Attends, non. Je vais après, voilà. Prends une peu petite. Allez, ouais, je vais dedans quand même, ouais. Voilà. On croque juste la moitié de la tarte, tu vois. Non, ça. Oui, non, en vrai. En vrai arrête, fais pas ça. Bah non, mais au moins pour la beauté du geste. Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de geste, là. Voilà, c'est magnifique. Ah, on est dans le mal, bâtard. Ouais. Ah, frère, vous avez chaud. Cyril, t'es beaucoup trop serré. Et encore. On a un message de Get qui dit, qui vous prévient, les gars, demain sera terrible. Waouh. Parce que là, la risque d'être compliqué. Tout ce que vous voulez, vraiment, donnez-moi tout. Oh, attends. Oh, putain, demain je suis en tournage. Ah. Oh là là. Oh, c'est super débile comme jeu, frère. On va le regretter, oui. En fait. Regardez, si vous pouvez faire un zoom sur le visage de Cyril, là. Moi, en termes de il est reluisant juste en dessous des yeux. Les gars, voilà, ça y est. Formidable. Merci beaucoup pour le lait. On a du lait. Vous avez de quoi vous rassasier, les gars. On va tranquillement, lentement mais sûrement terminer le live. Ça dure combien de temps? Tu sais que je me sens dommage. Les effets, là déjà. En vrai, les effets durent combien de temps? Les effets, là, aucune idée. On me dit aucune idée. Donc voilà. Bref. Moi, là, je suis plus en live, là. Là, je suis dans un autre truc. Ah, t'es dans un autre monde, dans une autre dimension. Ouais, là, Henri, quelque chose d'autre. Ça se calme. On va clôturer tranquillement. Quelles sont les actus du moment? Écoute, en ce moment, YouTube, Twitch, à fond, Instagram, n'hésitez pas à venir nous suivre. Et après, Interclub de MMA le 8 juillet. Tu vas le filmer? Bah écoute, on part avec cet esprit-là. On part avec cet esprit-là. Et puis dans quelques mois, années, à Ice Fighting Championship, Cyril a déjà planté la petite graine. Voilà. Yvick, qu'est-ce qui se passe? Prochaine pizza. Un peu de il est mort, hein. Il est mort, les gars. Je vais essayer de rester en vie jusqu'à la fin de la semaine. À l'écriture d'un film. Troisième album qui est en préparation aussi également. Mais avant tout ça, peut-être un petit séjour à l'hôpital. Merci en tout cas pour l'invitation, c'était un honneur, jusqu'à à peu près il y a 20 minutes. Où là, d'un coup, c'était un cauchemar. Non, trop bien. Et puis, au plaisir. Hâte de voir la suite de chacun de vous. Et puis, merci pour l'invitation. Et longue vie à la sueur. Ah, bah, formidable, merci beaucoup. Soir. Merci Cyril. Mr. Brooks, qu'est-ce qu'il y a comme actualité? Non, là, on est dans le présent. C'est trop dur de parler. Ah ouais, là, frère, c'est le pire moment. Attendez. Bah. Franchement, c'est très débile comme jeu. Mmh. Ouais, débile, je suis d'accord. Comme jeu. Mais très divertissant. Moi, de mon point de vue, c'est sympa. Surtout quand t'as regardé des gens faire ça. On est, on est en train de regretter, à vrai dire. Bah, j'espère qu'on a des viewers au moins. Le live est bloqué dans tous les pays. Ah, mais alors, vas-y. Moi, tournoi Ascension pour Gentlemate. C'était la semaine prochaine. J'ai aussi pratiquement fini mon premier EP de musique. Ah oh ouais, c'est vrai. Et ça sort quand? Ça sortira courant été. Ok. Grosse c'est tellement dur de faire de la promo pour un truc sérieux. Alors que genre le mec, il est déclaré au présent. Il ne pense qu'au présent. J'ai potentiellement fait ma dernière session studio tout à l'heure. Ouais. Pour, allez. Non, justement, pour le feu. Oui, toi, pas certains trucs de ouf. C'est quand même pas mal, ça accentue. Voilà. Restez sur mes réseaux pour savoir quand ça arrive.
ou pour savoir si je suis encore vivant. Ouais. Tout ça. On vous tient au courant. Si je passe souris demain, c'est que c'est que c'est terminé. Tout le monde sait ce qu'on va faire demain. J'adore. On va tous envoyer une picture sur les scans. Avec mon biril là, je vais être phénoménal. Ah ouais, la porte, le visage. Wow. Oui. Mais voilà, et puis niveau musique, c'est un truc que j'ai jamais, enfin que j'ai jamais fait, c'est un nouveau Brooks en musique là. Tu veux dire une nouvelle DA ou alors nouvelle DA, ouais, nouveau style, un peu plus dans ce que j'aime, un peu plus qu'un riz. Ok. Donc cool. Vraiment, j'ai pris trop de plaisir à le faire. En indé Ouais, en indé. J'ai pris énormément de plaisir à le faire avec. Entouré de très très bonnes personnes, dont Isha. Eh bien sûr, très fort. Très très fort et qui m'a beaucoup aidé. Et, ah, trop bien. Et vraiment, c'était un plaisir de fou et vraiment, j'ai hâte de sortir ça et de voir comment les gens vont l'accueillir. T'as une date ? Courant été. Ça fait plaisir. On va fixer la date dès demain. Ma sœur qui est au manager qui va fixer la date de sortie. Alors lui sera avant que tu meurs. Avant oui, que tu meurs. D'ailleurs, avant les gars, on veut les updates demain sur vos Instagram si tout va bien. Tellement chaud. Ah frère, mais ce qui est ouf, c'est que ça m'a fait moi l'appel là, il est tout droit. Là, c'est tout de suite là. C'est tout droit. Ouais. Ça m'a appelé là. Ouais, ça s'est tombé. Du coup, on va terminer le live. On va terminer le live. La dernière actu quand même pour Cyril. C'est le 9 septembre prochain, si je ne m'abuse. Du pain de mie. Ah ouais, du pain de mie. C'est le 9. Ouais, je crois que c'est le 9. Ah, non, je suis un fou. C'est le 2. Le 9, le GP. Oui, pardon. Le 2 septembre prochain. Quoi, ça me brûle. Accor Arena. Oula, ah, j'ai touché ma lèvre, ça me boule. Ah oui, non, 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 et touche ouais, pas les yeux non plus. Le 9 septembre, donc allez, on va mettre les bouchées doubles et on va se préparer. On a tu viens de dire le 9 Le ouais, 2 ouais, septembre. Oui, non, mais là, il est ailleurs. 2 septembre prochain, Accor Arena, Cyril Gane contre Sergei Spivak. Ça s'affiche ici, le numéro 1 contre le numéro 8, le numéro 1. Et donc, Cyril Gane, c'était le feu l'année dernière et on va essayer de faire mieux cette année. On va essayer de faire mieux cette année encore. Violence. Bah, en tout cas, là, c'est bien, il se prépare bien. Ouais, tu vois, aux épreuves, tu vois. Mais en tout cas, depuis tout à l'heure, on me saoule dans l'oreillette. Et tu ne nous le dis pas, espèce de salaud. C'est que depuis tout à l'heure, tout le monde te demande. Personne demande. Il faut clôturer. Personne. Guigui clôture. Je peux pas. Non, pourquoi non. Tu peux pas? Parce que moi, je suis. Parce que ça va niquer son plan CrossFit. Exactement. Il est numéro 1. Je suis pas comme vous, les gars. Moi, pourquoi je suis pas. Ça, donc non, je, y a, y a pas y a... Ah, je vais rester comme ça. Mais donne-nous une bonne excuse. Moi, je pense que t'es la seule personne apte à parler là actuellement. Non, non, non. Oui, oui, je suis. En fait, il faut clôturer le live. Il faut clôturer le live tranquillement. Donc, en tout cas, merci d'avoir tous été présents au live. Avec plaisir. Et puis voilà, on se retrouve très vite merci pour d'autres invités, jeux, merci toujours plus boobs. Intelligents. Bah merci. Et encore désolé. Bah avec plaisir, désolé. Avec plaisir. Non, non, t'inquiète. Et on se donne rendez-vous jeudi, les gars, pour le live de Inox Tag, où je serai avec mon acolyte. J'espère que ça ira mieux d'ici là. Merci d'avoir été. J'espère qu'il sera là. Oui. Merci Guigui aussi d'avoir été présent. Pas de soucis, présent. Patron. Merci beaucoup, Guigui. Même si t'as fait ta fiole. Effectivement. On check pas. On check pas. Merci, les gars. Attention. Vous êtes sérieux, vous êtes en train de checker? Ben oui, on est gentils garçons, nous. On m'a dit qu'il allait manger voilà. En caméra. Merci. Ouais. J'espère vraiment qu'en off, tu vas me dire que t'as un vrai problème sur la flore intestinale. Voilà. Allez. Donc on se retrouve jeudi. Merci les gars, ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et on se revoit bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao. Bonne soirée. Salut. Merde alors. C'était débile.